ifene menu ije oyatekwe kwa mume jane mekweme na kwa shala oyatekwe kwa kuko arue melanu ewu oyatekwe kwa mume akwano kodo akwa shala na kwa shala oyatekwe kwa kuko iyo iyo ije oyatekwe kwa mume akwa shala nadigu na kwa shala oyatekwe kwa kuko kwe pula me ewu oyatekwe kwa mume iyo iyo kuko na kwa shala oyatekwe kwa kuko mshane menuo ije oyatekwe kwa mume amaru ije lavu na kwa shala oyatekwe kwa kuko Christ don't fall in love ewu oyatekwe kwa mume love wanu ongo kwa roke na kwa shala oyatekwe kwa kuko omena lande de kwa lofa ije oyatekwe kwa mume mpitine kwe 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 na kwa shala oyatekwe kwa kuko. Bonjour maman. Je m'appelle Afame Fuma. En quoi puis-je t'aider? Je suis en train de chercher une femme qui a mis une robe blanche et tête vide. Elle est de taille moyenne. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Non maman, ce n'est absolument rien. C'est juste que je veux une petite acquaintance avec elle, rien de plus. Ok, prends cette route. Quand tu arrives au carrefour, tu prends le côté droit. D'accord. Tu continues d'avancer. Tu avances jusqu'à la fin et prends une autre direction. Ok. Quand tu arriveras au fond, tu la verras. Très bien, maman. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci, maman. Mais selon elle, je devrais m'arrêter ici. Mais où irais-je encore, hein? Mais qu'à cela ne tienne, je devrais aller chercher ce que je suis en train de voir. Je dois aller chercher quelque chose très rapidement. Hein? Porte-toi bien. Ezengwani dacha. Ezengwani la grande juge suprême. Ezengwani dacha. Ezengwani la puissante voyante. Ezengwani dacha. Ezengwani dimbiri. Ezengwani dacha. Nous vous saluons, Noma. Oh mon Dieu! Comment oses-tu? Oh mon Dieu, tu es très très jolie. Je ne pouvais pas résister vis-à-vis de ta beauté, je t'ai suivi. Comment oses-tu entrer dans la sainte demeure des Oyanchala sans pour autant enlever tes chaussures? Saisissez-les! Non, je ne savais pas! Je ne savais pas, pardonnez-moi, je ne savais pas que c'était un sanctuaire! Je ne savais pas que c'était un sanctuaire, je ne savais pas, pardonnez-moi, je ne savais pas! Je ne savais pas que c'était un sanctuaire, laissez-moi partir, je ne savais comment pas! Comment oses-tu? Comment oses-tu mettre ses pieds dans ma sainte demeure sans pour autant enlever ses chaussures? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Non, non, pas vrai. Et ce garçon a fait ce que personne n'a jamais fait sur notre terre. Ceci est un très grand tabou et une insulte pour les dieux de notre terre. Il mérite d'être
égorgés. La coutume nous les recommande. Toi, c'est lui qui foulera ses pieds dans les sanctuaires de notre grande Aguachala. Sans avoir enlevé ses chaussures, il sera égorgé. Point final. Écoute, Emeka. Honnêtement, ces garçons en question méritent d'être pendus. Et cela doit servir comme un exemple à tout autre étranger qui agira comme lui, avant de désobéir à la coutume et tradition de la terre. Ainsi, nous devons faire le nécessaire. Est-ce que tu me comprends? Avec un effet immédiat. Mieux vaut tard que jamais. Bienvenue les grands anciens de Aguachala. Bienvenue au grand sanctuaire de Aguachala. Puisque vous trouvez ce que vous cherchez. Merci. Noma. La plus grande prêtresse de notre temps. Nous sommes ici en respect, de l'offense commise par cet étranger. Exactement, Noma. Je connais déjà votre décision. Vous devez savoir que je ne le soutiens pas du tout. Il ne peut pas être décapité. Mais Noma, notre tradition dit que quiconque commettra cette offense sera pendu. Tu parles de quoi encore? Si je parlais, je suis la prêtresse et la multirythme de Dieu. J'ai toujours communié avec les dieux avant de prendre une quelconque décision. J'ai plaidé à son sujet. Pardonnez-le, il ne sera pas décapité. Mais il lui sera donné un avertissement pour cause de son ignorance. Après quoi, il sera mis en liberté. Mais Noma, ce n'est pas de cette manière que nous réglons nos affaires. Quiconque commet ce mauvais acte, cette personne sera pendue. Il est supposé... Et si j'ai parlé, il sera mis en garde et après, il va être libéré. Démasquez-les. Le temps est venu. Tu étais supposé être décapité
Mais je prie à ton sujet. Mon Dieu. C'est quel genre de rêve, c'est ici. Et ce n'est pas possible. Jésus. Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? Jésus. Hey. Comment est-ce que cela m'est arrivé? Ce n'est pas... Mon cher, ça c'est vraiment sérieux. Attends. Tu as dit que tu te réveillais de ton sommeil brusquement, tu as vu ceci? Est-ce qui est arrivé? Est-ce qui est arrivé? Hein? Le problème, c'est que je... Quand je me suis réveillé, je n'avais pas vraiment senti quelque chose comme une douleur, comme si j'étais attaqué. Et quand j'avais essayé de me lever, je me suis regardé, j'ai trouvé qu'il y avait une blessure sur mon bras. Et voilà ce que c'est. Mais bon, voyons, je ne suis pas inquiet pour ça. Je sais que le jour, ça va se cicatriser. Je comprends peu. Tu t'amuses, mon cher. Écoute, il te faut vite aller à l'hôpital voir les docteurs pour faire le test de ceci. Bien sûr, te donner un traitement approprié. Tu es en train de m'effrayer, hein? Oh, voyons, mon cher, tu essaies de m'effrayer. Ce n'est absolument rien. Alors écoute, j'apprécie ton conseil, mais ça, ce n'est absolument rien. Ça va se résoudre dans très peu de temps. C'est juste un peu de médicament qui pourra résoudre la situation, ce que je comprends un peu. Alors arrête de paniquer. Hein? D'accord. Comme tu l'as dit alors. J'ai appelé, mais ton téléphone était injoignable, alors je me suis décidé de venir te voir. Ça me rappelle quelque chose. Et tu sais, je m'étais décidé de m'éteindre avant que tout ceci me soit arrivé. Je voulais vraiment revenir sur mes deux pieds. Hein? Cherchant aussi à m'étendre des choses, une très petite chose, je crois que ça va aller. Tu es un homme fort, oui, mais ça, laisse-moi t'y croire. Tu sais, mec, c'est une très petite affaire. Oui, je suis toujours à la recherche de la vie. Non, je vois, c'est ça un homme. C'est comme ça la vie. Il faut se battre pour la stabilité de la vie. Bébé! Salut chérie. Salut chérie, ça va? Moi aussi, ça va. Oh, c'est comme si tu sortais. Oui, je devais aller chercher quelque chose pour la maison. Oh, alors chérie, tu parles très bien. Oh mon Dieu! Bébé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très petite blessure, ce n'est absolument rien. Alors, comment tu vas? Mais bébé, pourquoi tu n'as pas parlé au téléphone? Juste à cause de ça? Mais ce n'est rien, c'est juste comme toutes les autres blessures, ça va, c'est ce qu'on fait de soi-même. Tu sais quoi? Nous allons voir un docteur. Allons voir un docteur maintenant. À cause de ça? Allons voir un docteur, c'est trop. À cause de ça? Non, apaise-toi. Donc, je vais aller voir un docteur juste à cause de cette blessure. Bébé, allons. Non, mais dis-moi que tu blagues. Mais allons à l'hôpital, s'il te plaît, bébé, allons-y. Non, on n'ira absolument nulle part. Bébé, j'insiste, allons à l'hôpital, s'il te plaît. Oui, allons-y. Tu blagues avec moi, mais non. Oh non. Allons-y. Alors, nous irons pas. Nous allons prendre ton propre véhicule parce que c'est toi qui m'as proposé d'aller voir un médecin juste à cause de cette petite égratignure. Qu'est-ce que ça a à voir avec un traitement médical? Que tu te rejouis. Juste à cause de cette petite égratignure. Oh, mec. S'il te plaît, quand le peintre aura fini, donne-lui quelque chose à manger, d'accord? Ok, monsieur. Alors, si d'autres personnes viennent me chercher, demande-lui pour m'appeler au téléphone. Ok, monsieur. Ah, famille Funa. J'ai bon jugé que tu ne viennes pas avec ta fiancée pour pouvoir discuter de ceci, les deux. Et je suis vraiment très sûr que tu as une réponse à cela. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes amis. Et arriver à te demander que ma fiancée ne soit pas ici présente, cela signifie que je veux que cette conversation soit privée. C'est bien. Montre-moi ton bras. Ça, c'est sérieux.
Je l'ai vu que quand je me suis levé du lit. Minute, tu veux dire que tu t'es réveillé de ton sommeil et tu as trouvé cette plaie en réalité? Docteur, je t'ai dit que j'étais allé dormir sain et sauf. Et juste au moment où je me réveille, j'ai pu voir ça sur ma peau. Non, non, attends d'abord. La fille que tu avais vue dans ton rêve. Je veux dire, la fille qui t'est suivie, est-ce qu'en réalité tu la connais? Je n'ai jamais posé mes yeux sur cette fille avant. Mais une chose est certaine, docteur, et cette fille est extrêmement belle. Et cette fille, en tout cas, tu dois la voir parce qu'elle est extrêmement mise dans le rêve. Et c'est pour elle qu'elle soit pourvue de certains pouvoirs spirituels. Pouvoirs? Bien sûr. Je pense que c'est un problème spirituel. Ah, docteur, qu'est-ce que tu sais de me raconter? Docteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux seulement m'aider à résoudre ce problème, s'il te plaît? Ça, c'est un très petit problème. Seulement, moi, je vais rentrer à la maison. Non, je ne te fais pas peur. Mais écoute, un problème spirituel est profond que tu ne peux imaginer. Physiquement, ça se voit que c'est un simple cas. Mais spirituellement, c'est un problème très grave. Enfin, tu sais que j'ai été ton docteur depuis très longtemps et je ne peux pas te décevoir. Je veux que tu sois en bonne santé. C'est la raison pour laquelle je suis assis ici et je t'assure. Ta santé me concerne. Fais seulement ce que je t'ai dit. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Cherche la solution spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je trouve une solution pareille? S'il te plaît, docteur, je voudrais te demander quelque chose. Et tu vois, tout ce que nous avons abordé comme question dans ce livre aussi. Alors, je veux que tu le gardes secret par rapport à ma fiancée. Et tu sais très bien que je ne pourrais pas vraiment réprimander cette femme que je vis dans mon cœur. Et je ne voudrais pas qu'elle sache. Afam, ce qui est bon dans cette profession est que nous avons la capacité de garder le secret. Pour elle, elle n'entendra jamais ceci, ok? Donc relax, voyons comment on peut gérer ceci. Cependant, je t'ai prescrit quelques médicaments. Tu vas aller à la pharmacie les chercher, ok? Bébé, c'est quoi le problème? Je t'ai dit que la nourriture était prête et tu n'as pas encore mangé. Qu'est-ce qu'il y a? Après. Tu n'as pas faim, mais je suis sûre que tu iras manger plus tard. Bébé, je suis bouleversée. Qu'est-ce que signifie ce que le docteur avait fait? Genre, il ne voulait pas que j'aille ensemble avec toi dans son bureau. Pourquoi? Je suis vraiment désolé, mais je crois qu'il voulait garder la conversation secrète vu le règlement de l'hôpital, d'accord? Mais c'est bien, je m'assure que ça n'arrive pas. Bébé, je ne crois pas du tout à ce que tu me dis. Sérieusement pas. Je suis ta femme à devenir et le docteur est au courant de ça. Et il est ton docteur privé il y a des années maintenant. Alors, il y a une chose que tu ne m'as pas dit. Oui, tu me caches. Non, c'est bon, je promets que ça ne va plus arriver. Je vais vraiment m'assurer que ça ne va plus arriver. Eh bien, ça va. Allons maintenant à l'intérieur pour que tu manges ta nourriture. Non, s'il te plaît, je n'ai pas d'appétit. Hein. Bébé, tu dois manger, t'inquiète, je vais te nourrir. Allons-y. Grande sœur. Amy. Bon après-midi. Bon après-midi, Amy. Amy, espérons que tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, s'il te plaît, dis-moi que je n'ai pas heureuse de voir ton frère. D'accord, sans le bureau. Mais je suis surprise que tu sois rentrée. Ok, je vois. On est en vacances. Oh, vraiment? Ma sœur, est-ce qu'il y a à manger à la maison? J'ai très, très, très faim. Je ne comprends pas. À peine que tu viens d'arriver et tu parles de la nourriture. S'il te plaît, lève-toi et va me préparer, s'il te plaît. Écoute, maintenant que tu es là, tu vas t'occuper de toutes choses. La cuisine, donc toutes choses. D'ailleurs, il y a plusieurs travaux ménagers qui t'attendent, si tu ne te pas. Hey, grande sœur. S'il te plaît, va à la cuisine. Hey, pour une fois, respecte ton frère. Et je viens de l'école. Regarde-toi, un vieil homme comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours enfant? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, salut, bébé.
Oh, ma chérie, mon bébé, oh, tu vas? Je vais bien. Tu es belle, ma chérie. Et tu brilles. Merci. Waouh, ton frère est entre des grandes eaux si vite. Qu'est-ce qui est à la base? Mon argent. Oui, ces garçons bouffent mon argent comme si... Ah, Regarde ce qu'il parle. Tu es même chanceuse d'avoir un petit frère qui te dérange. J'aurais souhaité avoir quelqu'un qui me dérange comme ça parce que je suis la seule fille de mes parents. Mm-hmm. Et je n'ai pas quelqu'un qui me dérange et qui m'embête comme ça. Mm-hmm. Ma chère, ne te précipite pas, calme-toi. Tu as raison. Je me souviens de quelque chose. As-tu le nom de Afamé Fouda? Il a connu un accident, malheureusement. Un accident? Oh non, ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose de grave. Juste une petite blessure sur sa main, oui. Ce n'est pas très grave, ne t'inquiète pas, je déconne. Ne t'inquiète pas, il va se rétablir, ok? Oh, désolée pour ça. Merci, ma chérie. Je suis désolée. Ok, de toutes les façons, je suis là maintenant et je me suis dit que tu as envie. Alors, va là-bas, prépare-moi un gros poulet et du riz de pêche. Je ne peux pas attendre de dévorer la nourriture. Est-ce que tu Je ne comprends pas, oh. Tu te comportes actuellement comme Emeka, comme si tu l'as planifié avec mon frère. Madame, tu n'es pas une visiteuse. Allons-y, dans la cuisine. Va rejoindre Emeka. Je suis venue pour manger. Ma chère, je risque de manger ta part si tu ne manges pas. Afam. Oui, Afam. Maman. Pourquoi tu caches ta main? Maman, ce n'est rien, je vais bien, d'accord? Ça va. Montre. Tu es devenu handicapé? Allez, montre-moi ça. Tineb, qu'est-ce que c'est? Juste une petite blessure, je crois que dans peu de temps ça va aller, d'accord? Ah, mon fils, ce signe, je le trouve vraiment étrange. Ce signe ne me plaît pas du tout. Dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est? Maman, j'ai dit que ça c'est juste une petite blessure. Et qu'est-ce que ça va avec Adélie, une petite blessure comme celle-ci? Et tu sais que je n'aime pas aller dans son sanctuaire, tu vois, ça c'est juste une petite blessure. Après, maman, ça va se cicatriser. Tu peux pas arrêter, hein? Ce sont ces mêmes signes qui ont tué ton père. Je suis adulte et je sais de quoi je parle. Ce n'est pas des gratuits, non. C'est comme si on était l'ami. Pardon, je sais de quoi je parle. Dis-moi. Bienvenue, la veuve du grand dauphin Okeke Maganazo. Le puissant Okeke Maganazo, le petit-fils du royaume de Tumabulueni. Bienvenue. Maman, tu as entendu ce qu'il a dit? Oh! Mbekwa, Mbekwa. Mbekwa, Boulanya, Kounase. Mbekwa, Tuyasa, Aboulanya, Iye. Serere Mosi Mogili. Akwa maja adresia wabalanture bonye neka yako. Obo kalete. Obo yasema bono yambili. Osofu. Abo wakuko noze. Ijo mwaba lola. Obo. Ijo chele ni unto. Mwaba sele ni unto. Mwaba kelunde. Afana mwe bwalani. Kala fana tuti yako. Mon fils. T'as déjà demandé. Pourquoi? Les gens ont peur de Oki. Un petit oiseau. Dans cet état causé par tes actes d'ignorance, la fille, la prêtresse, a changé la décision qu'on utilisait pour pendre par le grand ancien et les hommes forts du royaume d'Abouchala. Abouchala, l'ancien roi d'Abunyana, il a gardé cette mesure depuis cette époque. Quiconque sera frappé de cette mesure peut être guéri de la même mesure de ce sanctuaire. Cherche la prêtresse. Fais ce qu'elle va te dire pour te libérer de cette peine. Et je dis bien. Et comment si tu as perdu la fille et tout ce qui s'était passé? Maman, tout ce qu'il a pu raconter ici et va le perdre, mon rêve. Juste seulement, un seul œil me peut voir très bien, loin jusqu'au-delà. Même si tu possédais 1000 yeux,
pose encore plus de questions pour que tu trouves la solution laquelle tu es venu chercher. Et je n'ai pas d'autres questions. Merci, Angela. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu fait ça? Depuis qu'on est rentré du sanctuaire de Guadjima, tu n'as rien dit de ce qui s'est passé. Et tu n'as rien mangé. Ephémé Fuma, pourquoi tu me fais ça? Ou soit tu veux me voir mourir pour toi? Maman, je dois déjà me retrouver dans la cité de ma grande matinée. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. En fait, rien n'a plus de sens avec mon plan. Absolument rien. Mes amis n'ont plus de valeur. Ma fiancée n'a plus de valeur. Même mon jardin et mon tiers n'a plus de valeur aux amis. En fait, maman, comment peux-je rester dans ce village juste parce que j'ai besoin de la solution à cette petite blessure, hein? Juste à cause de ces suspicions. Quelque chose que je peux très facilement amener à l'hôpital. Il suffit d'un très bon médicament pour mettre fin à ceci. Maman, tu sais que cette paix est en train de s'infecter juste parce que je n'ai pas encore amené chez un médecin pas très facilement prendre soin de ça. Maman, je ne vais pas rester dans ces conditions pour pouvoir m'enlever. Pourquoi aimes-tu ton fils? Pourquoi tu t'en fous toujours? Ton père t'a donné le nom de Afanifu. Alors pour que cette lignée ne disparaisse pas. Ça n'arrivera pas juste à cause de cette blessure. Je vais la traiter, ça va aller. À cause de ta tétudesse, tu veux que la lignée de ton père disparaisse. La même chose que tu avais faite quand je t'ai demandé de vendre toutes les parcelles que ton père t'avait laissées. Oudjou. Maintenant, je continue à me battre tous les jours. Tous les jours, je dois aller comme ça, je dois rentrer comme ça. Maman, tu sais, si cette terre était vraiment le problème, tu m'aurais dit comme ça. On allait facilement résoudre ces problèmes. Aussitôt que je me serais rendu en ville, je vais renvoyer des gens pour venir régler ces problèmes. Ephémé Fuma, pardon. Laisse que nous partions chercher le prêtre. C'est alors que ces histoires vont nous quitter, pardon. Maman, tu continues toujours à répéter ce problème. J'ai pensé que c'était la terre qui était le souci. Mais j'ai plutôt accepté de résoudre le problème. Maman, s'il te plaît, arrête avec cette affaire. Et j'espère que j'aille voir une prêtresse que je ne connais même pas. Et ça n'a pas de sens pour moi. Je dois retourner à ma vie, s'il te plaît. Ta vie est moins importante pour moi? Non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu dis là? Maman, s'il te plaît, je ne vais pas faire ce que tu me demandes. J'en ai déjà marre. Ah! Regarde, le pire de tous ces côtés, c'est que ma maman a accepté tout ce que le docteur m'avait dit. Tout ce que ce médecin traditionnel m'avait dit. Ma maman avait accepté cela, mais ça n'a pas de sens pour moi. Attends. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre, Afam? C'est toi qui m'as dit que le voyant t'avait cité tout ce que tu avais rêvé dans ton rêve. Exactement comme tu le voyais. Mais c'est quoi, mon cher? Comment est-ce que tu veux encore être convaincu? Tu parles aussi comme si tu as accepté ce que ce médecin te dit, n'est-ce pas? Mon pote, regarde un peu ton bras. Ça s'empire. Les jours au lendemain. Donc, allez-y comprendre, fais quelque chose pour ceci. Ou soit, si ça ne te dérange pas, je peux aller t'accompagner. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà entendu parler de la voiture? Non. Est-ce que tu sais où est-ce que je vais la trouver? Bien sûr, non. Alors pourquoi est-ce que tu m'encourages à chercher une femme mystérieuse, une femme que j'ai vue en songe, une femme dont je ne suis même pas sûr de distance? Mais est-ce que ça a du sens? D'accord, mais du fait que Sedibia a cité les noms du village là où cette dame... Là où elle se trouve, ça existe. Donc, s'il te plaît, mon pote. Sois rapide et fais quelque chose en tout cas. S'il te plaît. Et tu sais, mec, je sens trop de peine quand on s'est suivi. Il y a une forte sensation de douleur qui augmente avec cette blessure. Et je n'arrive même pas à maîtriser cette douleur. Et même si je devrais aller à cette recherche ou ce voyage, je dois t'amener dans tous ces symptômes. Je ne veux pas que tu risques ta vie à cause de moi. Mais aussi, je voudrais te supplier pour quelque chose. Est-ce que je peux garder tout ce que je t'ai raconté autour de cette affaire? C'est sûr, mon pote. Je suis touché de tout ce que tu dis.
garde-les de telle sorte que ma fiancée et tout ce qui m'appartient ne sache rien de ça. Sois sûr qu'elle ne saura rien. Attends, bien sûr que oui. Tu vois ce que tu fais. Et allez. Ok. Tu sais, c'est très sûr. Bébé. Ok, je vais le finir, hein, c'est pas? Ce n'était qu'un rêve. Mais attendez, serait-ce possible qu'un si beau rêve se termine par l'attaque d'une personne que je n'arrive pas à reconnaître? Cet homme a poussé et qui me fout loin de moi. Non, 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 ce n'est pas possible. Je sais qu'Afuna m'aime beaucoup et je l'aime aussi. Et d'ailleurs, il peut mourir pour moi. Ah. Wow, il est minuit. Ah, je dois y aller. Ah, bébé, je suis désolée, ok? Je suis désolée, je n'ai pas pu venir te voir lorsque tu étais rentrée du village. J'étais tellement occupée. Comment va maman? Et tu sais, tes demandes étaient une préoccupation. Elle pensait bien que tu allais venir avec mon village. Oh, vraiment? C'est merveilleux. Bébé, ses bras sont en train de s'empirer. Je pense qu'on doit voir mon docteur. Allons voir mon docteur. Je pense que c'est juste que ça a été infecté. Dans très peu de temps, ça va sécher. Oh, d'accord, on peut juste accorder à ces notions quelques secondes. Non, bébé. Nous devons voir mon docteur. Je veux que tu ailles mieux. Chut, laisse-moi gérer ça, ça va aller. Mm-hmm, tu m'as manqué. Toi également. Tu m'as manqué. Alors, as-tu mangé? Non, je vais préparer ta préférée, la sauce amère. La sauce amère. D'accord, bébé. Non. Une fois que j'ai vu une rêve, comment pouvais-je me chercher quelqu'un pour ça que je ne peux même pas? Donc, je vais voir tout ce que j'ai pour activité ici. Je suis comme ça. Toujours que je me suis dit, c'est que je suis là, je suis comme ça. Parce que c'est vraiment le bon qui m'a dit des choses. Mais
Je pense que nous devrions normalement continuer à parler de ce point. Oui, elle était vraiment supposée la somme d'argent qu'elle avait reçue. Et je suis très émue parce qu'elle était vraiment contente. Alors, s'il te plaît, je te remercie pour ça. Tu as vraiment changé les cours de la vie de cette dame. Et ce n'est pas un problème. Je serai de retour à la vie de la vie. Ok, je prendrai soin de lui. Non. Maman? Quand j'étais à l'intérieur, j'ai entendu quelqu'un qui pleurait comme s'il avait très mal. Et je crois que c'était toi. C'est pourquoi je suis sortie. Non, comment ça peut être moi? En fait, si c'est une histoire, il y a un ami de moi qui a donné à cette dame de l'argent. Hein? Et cette dame s'est mise à crier. Et tu vois, en fait, les gens souffrent. Et je t'ai dit. Laisse-moi finir l'histoire que je t'ai racontée là-bas. D'accord. Tu sais, j'allais sur les finir si je n'étais pas sortie d'ailleurs. Aucun. Et il a dit qu'il ne va plus cultiver cette terre. Il l'a laissée pour nous. Oui. Et il ne voulait pas que tu viennes et que tu l'arrêtes avec des soldats. La façon dont les fils d'Élysée avaient fait arrêter Nané Kené. Si tu voyais comment Nani Kené faisait, il avait trop peur. Maman, tu vois tous ces hommes âgés, hein? C'est parfois il faut les renseigner de la bonne matière. Tu sais, ils utilisent de l'argent à cause de leur âge. Au lieu de vivre au lieu de se mettre à jeter, ça, tu sais. Tu as vraiment raison, parce que la façon dont il faisait. Où est-ce que passait cette chose-là? Ça se trouve où? Maman. Le rat de Bruce, c'est le rat de Bruce, maman. Je pensais qu'il n'y avait plus de rat ici. Mais maman, j'ai vu un venir très rapidement ici. Oh. Pipi, jusque là. Et puis, il est parti là. Et il est parti jusqu'à là. C'est bizarre. Es-tu sûr? D'ailleurs, je pensais qu'on devait trouver un médicament pour essayer de mettre tous ces hommes. Mais regarde un peu cette situation, c'est pas vraiment intéressant. Hein? Je vois. Parce que ça fait vraiment longtemps que je le vis ici. Maman, on n'a pas de. Le petit-fils de grand Okeke, Maganazou. Le petit-fils de grand Obonazou. Le grand garçon de Ntoumabulweni. Il n'y a pas assez du temps. Il n'y a pas assez du temps. Ne sois pas têtu. Comme tes ancêtres qui part à la chasse, perd sa place. Va chercher la prêtresse et tu seras guéri. Ezedidia, tu sais très bien qu'il est impossible pour moi d'aller à ce voyage. Ce voyage est vraiment dangereux. Je ne sais même pas de quelle terre il s'agit. Sans même parler de la prêtresse que tu m'envoies chercher. Écoute, Ezedidia. Je suis venu ce soir pour que tu puisses me sauver. Et je dis bien, est-ce que tu sais que je suis en train de sentir la pourriture de cette blessure? Il arrive que ça puisse sentir et ça, je sens ça. S'il te plaît, aide-moi à finir avec ça et je te donnerai ce que tu voudras. Les fils des grands Okeke Maganazo, ce que tu me demandes de faire est impossible. Va te guérir toi-même. Pour l'instant, je dois communiquer avec mon chien. Où est-ce que tu vas comme ça? Oui, je vais voir un de mes amis qui est juste à côté, vu qu'il a une promotion. Et en tant que bon ami, je dois aller lui témoigner mon soutien parce que tu sais, mère, il ne fait rien. Et quoi? Tu aurais dû me dire avant. J'allais te préparer quelque chose.
Hein? Je suis pas un enfant. Hein? D'ailleurs, quand je vais y arriver, il y aura beaucoup à manger. Hein? Et c'est une grande fonction. Hein? Ok, ok. Sois pris d'en haut. Oh, hein? Qu'est-ce que c'est? Maman, regarde, je vais revenir. Quand ça me va absolument. Et juste dans très peu de temps, tout sera passé. Donc je dois très bien le couvrir parce que tu vois, là où je vais, ça sera arrivé. Et tu vois, je ne peux pas attirer l'attention de tout le monde parce que. Alors également, Ok, je vois. Fais attention à toi. Oh, bye bye. Alors à plus, maman, j'arrive. Bon après-midi. Chico, maman a mis signe. Non, madame, il est allé à l'étranger pour le faire. Quoi? Donc, tu veux dire que ton patron n'est pas dans ces pays? Ok, d'accord. J'ai essayé de l'appeler. Il est toujours injoignable. Alors, je m'étais dit de venir. Il t'a dit quand est-ce qu'il va revenir? Non, madame. Ok, t'inquiète pas, d'accord. Je vais partir. Allô? Et s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à trouver? Il y a quelqu'un qui est en train de chercher. Elle est un peu des courtes moyennes, des lignes blanches comme ça, avec la taille un peu là. Et puis elle n'a pas tiré sur la tête. Tu as dit qu'elle fait quelle taille? Elle regarde un peu la taille. C'est quoi quelque chose? Je pense que je connais la fille. Ok, quand tu prends cette route, ce chemin, oui, tu verras que c'est divisé en D. Alors, okay, vas-y à gauche. À gauche, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Étranger, tu seras guéri. Mais tu dois passer 7 bons jours dans les sanctuaires d'Aguachala sans manger ni boire de l'eau. Tu n'es pas permis de poser tes yeux sur un humain durant le processus du rituel.
Es-tu prêt à te soumettre à cette tâche? Tu t'adressais à moi? Non, non, mais je te demande, de toutes ces choses que tu as énumérées, c'est à moi que tu parlais? Hmm? Non, attends. Non, tu veux que je passe 7 jours ici, dans ton sanctuaire? Pas de nourriture, pas d'eau, sans rincer mes dents, sans prendre bain? Écoute. Prêtre, est-ce que tu es ou quoi que je sais, s'il te plaît? J'ai fait mon rêve calmement. Et tu es apparu de nulle part. Tu m'as dominé dans mon rêve et tu m'as infligé cette douleur. Si tu connais le chemin par lequel tu es entré dans mon rêve, alors tu connais par où sortir et me laisser vivre ma vie calmement. Okpogbo, c'est cet animal qui fait de bruit avant d'être tué. S'il arrivait que tu meurs comme les herbes mortes, tu te retrouveras dans la bouche de Okpogbo. Monsieur l'inconnu. Je n'ai aucune affaire à foutre avec ce Okpogbo. Okpogbo, ou quoi que tu l'appelles, je n'ai rien à foutre avec ce Okpogbo auquel tu te réfères. Écoute, je vais être clair avec toi. Tu ne sais même pas combien de clients j'ai perdu juste parce que j'ai besoin de trouver toi pour me sauver de ceci. Ça, c'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Utilise ceci comme tu l'avais utilisé comme infliger cette douleur afin que je retourne sur mon ancienne vie. Et je ne veux plus jamais te voir dans mon rêve. Les choses que tu ne connais pas sont plus grandes que toi. Oh, vraiment? Ok, j'y comprends maintenant. Et tu ne veux pas me laisser, d'accord? Ok, c'est bon, je comprends. D'accord, je vais partir rapidement en ville et j'irai rapidement voir la personne qui le fera. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est lui qui osera me guérir, je lui donnerai tout ce qu'il me demandera. Insensé, je vais devoir le faire 7 jours. 7 jours pour faire quoi avec toi? Avec tous ces chiens à tes côtés, je vais devoir le faire 7 jours ici? Avec un environnement comme celui-ci, je vais faire 7 jours pour chercher quoi avec toi? 7 jours! 7 jours dans cet environnement! En tout cas, tu te trompes! Pendant 7 jours, il doit rester ici. Insensé, hein? Insensé! Vous venez de faire 7 jours dans un environnement comme celui-là. Un grand homme d'affaires comme moi, vous venez de faire 7 jours. 7 jours dans le sanctuaire. Si je suis un agneau, maman, tu comprends, c'est 7 jours. 7 jours, maman. 7 jours, pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. 7 jours! 7 jours! Un grand homme d'affaires comme moi! 7 jours! Un homme comme moi! En tout cas, j'en ai marre! Sans manger ni boire de l'eau! Insensé! Mais en sortant, il m'avait dit qu'il allait voir ses amis d'ici. Et maintenant, il parle que de 7 jours. 7 jours quoi? Qu'est-ce que 7 jours vient faire dedans? Il y a un problème? Non, 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 je sais très bien que tu n'as pas beaucoup d'argent, d'accord? Je vais te laisser un peu d'argent. Ou si j'arrive là-bas en ville, je t'enverrai un peu d'argent, c'est bon? Afam! Afam et Founa! Il était supposé me le dire avant que le voyage. Oui, je ne sais pas ce qui arrive à Afam. Afam a complètement changé. Je ne sais pas ce qui se passe. Avant qu'Afam ne fasse quoi que ce soit, il m'a formé. Mais présentement, il fait genre... c'est comme si mon opinion ne comptait pas. Il a d'ailleurs quitté le pays sans pour autant me tenir au courant. Oh ma chérie, relax. Je pense qu'il doit être occupé, peut-être. Dans les travails. Tu connais combien parfois nous sommes distants? Oh ma chère, arrête ça s'il te plaît. Un petit message serait mieux. Oui! Écrire un petit message genre « Oh chérie, je ne serai pas là pour un moment aller être mieux. » Ce n'est pas partir comme si je n'étais rien du tout pour lui. Ce n'est pas bien. Mais relax ma chérie. D'ailleurs quand tu m'appelais, j'ai pensé que quelque chose de mal t'est arrivé. Ah, tu dois arrêter de gérer les choses de cette manière. Tu es facilement emporté par les problèmes.
Et à propos de cet homme, l'a-t-il posé des questions sur lui? Il n'est pas au courant d'où il est d'ailleurs. Le pauvre gars était confus lorsque je lui posais autant de questions. C'est bon, calme-toi. Je pense que ce lieu que tu ailles est les rencontrer et connaître pourquoi les choses sont arrivées de cette manière. Et pourquoi il s'est comporté de cette façon. Je suis juste inquiète. Calme-toi, ma chérie. J'ai peur. Ma femme n'était pas comme ça. Je pense que tout va bien. Ok, relax. J'ai peur. Ma femme a totalement changé. Ok. Quelle bêtise! Comment veut-elle que je passe 7 jours à cet endroit? 7 jours! 7 beaux jours! Sans eau, sans nourriture, sans connexion internet, sans prendre bain, sans rincer mes dents! Il ne m'a même pas permis de communiquer avec qui que ce soit pendant 7 beaux jours! C'est 24 heures fois 7! Est-ce qu'elle comprenait ce dont elle parlait? Mais tu dois être en bonne santé, ok? Finalement, tu dois être content parce que tu as trouvé cette prêtresse pour ta guérison. Si et seulement si tu savais ce que j'ai pu traverser. Si et seulement si tu savais ce par quoi je suis passé pour finalement trouver ces putains de sanctuaires. J'ai passé par beaucoup de choses. Le chemin était terrifiant. Et il est évident que tu n'as rien compris. Tout ceci, c'est encore pour ton bien. Et n'attends pas le faire quand il sera tard. Mon pote, tu dois être en bonne santé. En effet, de sang là et règle les situations une fois pour toutes. L'avais-je invité dans mon rêve? Dis-moi, est-ce que tous ces choses qui sont des vieux, l'avais-je invité dans mon rêve? Hé, mon pote, désolé. Désolé. Voilà pourquoi tu dois trouver les voies et moyens pour régler cette situation une fois pour toutes. Mais c'est une bêtise. Ce n'est rien d'autre qu'une bêtise. Mais est-ce que j'ai l'avais invité là mon rêve? Dis-moi. Ok, qu'est-ce que je fais de mal? Dis-moi qu'est-ce que je fais de mal? Je faisais plaisir à mon rêve, il est apparu. Désolé mon pote. Maman, c'est quoi le problème? Tu ne veux pas manger depuis tout ce temps. C'est quoi le problème? La nourriture n'est pas mon problème. Dis-moi dans ce cas, qu'est-ce qui te dérange? Maman, pourquoi ne pars-tu pas à Ikenga de ma part? Hein, maman? S'il te plaît, non? Ma fille bien-aimée. Approche, viens. Approche, ma fille, sois patiente. Sois patiente avec Ikenga. Il viendra à toi, au bon moment. Je te l'ai déjà dit. Ikenga, t'as été fiancée depuis ton enfance. Et ça a été scellé. Sur base de relations que j'ai eu à avoir avec ses pauvres parents. Arrête de t'importuner à tout moment. Tu dois profiter de ta nourriture, ma fille. Ikenga n'est pas prêt pour marier une autre personne. Je peux les voir dans ses yeux. Maman, tout ce que je vois, c'est les dégoûts. C'est comme si je les dégoûte. Maman, ne suis-je pas belle? Hein? Ma fille, tu es très belle. Tu es plus que même la beauté. Ne te dérange pas trop. Ikenga est à toi pour toujours. Thank you.
Qu'est-ce qui se passe-t-il avec toi? Comment es-tu arrivé? Est-ce vrai? Ici, tu seras jeté à la forêt interdite pour la sécurité. Je t'ai dit que ce que tu ne connais pas est plus grand que toi. Abalayo, Bioma. Abalayo, Moutis, Moutis. Hey, miséricorde, puisqu'il n'est qu'un enfant qui ne connaît rien du tout au sujet des esprits, je plaide ta justice et ta miséricorde. Waiko, Biko, sois guéri, Job. Sois guéri. Sois guéri, Job. Biko. S'il te plaît, peux-tu me parler? Dis-moi ce qui se passe, parce que présentement, je suis confuse. Dis-moi ce qui se passe. Ok, il n'est pas dans son bureau. Il ne me dit plus où il veut aller. Genre, quitter le pays sans pour autant m'informer. Sa fiancée, ce n'est pas bien. En ces moments, son téléphone est éteint. Comme par exemple, son numéro ne passe pas. Il est injoignable. S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce qui ne va pas, s'il te plaît. Bien. Je suis aussi confus que tu l'es, ok? Je suis au courant de rien. En effet, je suis surpris de son voyage. Oh, s'il te plaît, Cassidy, ne dis pas ça, non? Ne me fais pas ça. Tu es son meilleur ami. Tu es supposé savoir où il se trouve. Dis-moi, où est-il allé? S'il te plaît, dis-le-moi. Parce que je ne suis pas du tout à l'aise. Comme par exemple, j'ai toujours mon téléphone entre mes mains pendant que je dors. Comme ça? S'il te plaît. Écoute, sois calme d'abord, ok? Je vais chercher comment l'atteindre et je vais revenir pour t'en parler, ok? Ok. Céline, ne me dis pas de me calmer. Je ne peux pas, juste, fais ce que tu peux, s'il te plaît. Wiska, relax. Essuie tes larmes, parce que tout ira très bien, ok? Tout ira très bien. Allô? Mon père, mon père, mal, mon cœur, mon père, j'ai mal, mon père, mon père. Hé, Chimo, Afam, Afam, qu'est-ce qui t'arrive? Afam, dis à ta maman, Afam, s'il te plaît. Je t'avais demandé à propos de cette plaie, tu m'as dit qu'il n'y avait rien. Mais regarde, non, cela s'empire encore et encore. Qu'est-ce que tu as pu faire, non? Qu'est-ce que tu as pu faire, Afam? Non, calme-toi, Ona, s'il te plaît, calme-toi, hein? Calme-toi. Nous devons aller voir cette prêtresse, s'il te plaît. Allez-y pour qu'elle trouve une solution pour ce problème, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Allons-y chercher une solution, s'il te plaît. Ago. Hé, pitié. Miséricorde. Merde, étranger, t'es-tu? Ton fils va rester ici pendant 7 jours. Aucun humain ne peut poser ses yeux sur lui. Je dois réaliser quelques rituels pour le rendre libre de cette malédiction. Rentre à la maison, il te sera retourné dès que possible. S'il vous plaît. Comment puis-je le laisser ici dans cette condition? 7 jours. Je n'arriverai pas à dormir. Prêtre, s'il vous plaît.
Laisse-moi dormir même dans cette forêt, ça ne dérange pas. Tu ne dois pas mettre ta vie en danger. Il y a des animaux dangereux dans toute la brousse. Rentre à la maison. Il te sera revenu après le temps. Pas. Je dois communier avec la déesse. J'étais vraiment stupide en croyant à mon fils quand il m'avait dit qu'il était déjà rétabli. Hey, Afam est fou. Afam, pourquoi tu veux rendre ta maman sans enfant? Tu ne vas pas mourir. Tu me reviendras. Na guacha ya. Mwa necho mia. Ekele mdo. Afamefuna. 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 Ton rétablissement est dans ta destinée. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas te perdre. Tu es mon seul fils. Hey. Mon mari, l'état de santé de ton fils. Comment ça me rendrait confuse? Tu m'as laissé pendant beaucoup d'années passées pour faire grandir cet enfant toute seule. Maintenant qu'il compte être sûr et nous donner des enfants, qu'il ne meure pas. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Puisqu'il est déjà là-bas, faites quelque chose. Si quelque chose arrive à cet homme, hey, je suis perdue. Nous allons tous venir là-bas. S'il vous plaît. Sa fiancée. Oui, maman. Sois la bienvenue. Regarde-toi. Tes yeux sont en larmes. Maman, tu parais si stressée et malheureuse. Est-ce à cause de la femme? Qui te l'a dit? Maman, bien sûr que je cherche. Dernièrement, il a voyagé hors du pays sans pour autant m'informer. Ah, mais ne t'inquiète pas, maman. Il reviendra bientôt, ok? Non, maman, arrête de pleurer. Il reviendra bientôt. J'étais venue actuellement te demander où il se trouvait, mais en te voyant comme ça, j'ai déjà ma réponse. J'ai pensé qu'il avait voyagé. Ah. Mais au moment où je vous parle, affamé entre la vie et la mort. Non, maman, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. De quoi parles-tu? Maman, où est mon amour? Maman, où est la femme? Je veux le voir. Je veux voir mon amour. Où il se trouve? Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir jusqu'à ce qu'il te délaisse cette chose. Quoi? C'est ce qui me semble difficile à digérer. Maman, maman, je suis confuse. Je ne comprends rien du tout. Explique-moi ce qui se passe. Où est la femme? Où est mon amour? Où est l'amour de ma vie?
Mes salutations, Ikenda, les fils du grand Ezeboué. Je te salue. Merci. Bienvenue, mon ami. Pour ne pas te prendre beaucoup de temps, je t'ai apporté ce cadeau. Et je te l'ai apporté parce que je sais que tu peux avoir besoin. Ah, merci. Ah, c'est très gentil. Je les reçois. Mais de toutes les façons, c'est vraiment le premier fruit de ma récolte. La belle prêtresse d'Aguachala. Et d'Aguachala, Chala Fousse. Il me serait un grand plaisir de consommer ma première récolte. Je suis reconnaissante, Ikenga. Merci beaucoup. Je t'en prie, vraiment. Ikenga, je suis au courant de votre réunion avec les anciens pour le bien-être du peuple de cette communauté. Didier Kedji, ne vous lassez pas de la vérité, puisque la paix de cette communauté doit être permanente. Bien sûr, bien sûr. Ah, je dois déjà te laisser. Ah, non. Il y a un dicton qui dit qu'une déité ne rentre pas à la maison, même réduit. mon colo, prends-moi 3 pièces de noix de coulard, précisément les Oujogo. Quand tu seras à la maison, dis à Ujoko que tu as visité Ujama et que ses filles sont toujours loyales à eux. Je le ferai, je le ferai. Adjala wana gele gele nou. Que ce que nous mangerons vienne et ce que nous mangerons aille loin, très loin de nous. Kake de mialom, mialom ou nye dim. Il faut m'amener et qu'il faut job à tel. Ah oui, on est bon ni à droite, on attend bien au griffe. Ici, que cela nous soit accordé. Ici, qu'il nous soit tous accordé. Et moi alors, dis-leur de me protéger aussi. Dis-leur de me protéger contre cette prêtresse maléfique. Cette méchante prêtresse. Mais bon, nous bois alors, pas tout là, on va les faire. Elle est malangue, malangue, Kelly. Autrement, pour moi, dans mon coup, moi, mon oiseau. À ce moment, moi, bon, bon, madame, allez, encore. Ma canon, si, si, à ma rome, Adam, mon madame. Autant que, et même moi, mon goût, comme moi, d'achos. Ma boba n'a pas mon nez, n'a non, oiseau. Quand ça devient un chim. Et que n'aimons. Maintenant, laisse-moi t'avertir. Dans ta vie, n'ose plus jamais m'interrompre quand je communie avec les dieux. Mais qui vont prier pour elle? Qu'est-ce qu'il y a-t-il de si spécial à propos de cette femme? Oh, Makoka, la plus belle femme. Regarde-moi, non? Je suis sûre que je suis bien plus belle qu'elle. Je t'en prie. Valorise-moi. Viens voir mes parents. Je t'en prie. Mon amour, s'il te plaît. N'ose jamais parler du mal. Prêtresse. Sinon, je t'enverrai à l'exil. S'il te plaît, regarde-moi. Regarde-moi, non. Ne suis-je pas une femme complète? S'il te plaît, juste dis-moi oui, s'il te plaît. Combien de fois je te le dirige? Je ne suis pas intéressé. Trouve un autre homme. Je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? S'il te plaît, arrête, Ikenga. Je ne peux pas passer une journée sans pourtant penser à toi. Je t'aime. Oh, vraiment? Je crois que tu sais par où tu es en train. Et quand je vais finir de parler, je pense que tu vas t'en laisser. S'il te plaît, s'il te plaît. Ikenga, s'il te plaît, je t'aime. Ikenga. Ijamaka, je te blâme pour tout ceci. Tu auras de mes nouvelles. Ikenga de
Les grands et King. La princesse d'Agua, Inch'Allah. Tu sais, je suis heureuse de trouver la plante des Ijofa chez toi. Je l'ai cherchée presque dans toute la brousse sans les trouver. Merci. Je t'en prie, tu sais, souvent ces genres de feuilles sont en disparition. Oui. Et alors, j'ai planté certaines qui... Et voilà pourquoi j'ai la facilité de la voir dans ma maison. C'est très gentil de ta part. Merci. Je m'en vais maintenant. J'ai beaucoup de gens qui m'attendent au sanctuaire. C'est très bien. Merci. C'est très bien. Je t'en prie. Je t'en prie. Angèle, je ne serai pas de retour jusqu'à ce que je verrai de mes yeux l'amour de ma vie. Je ne reviendrai pas jusqu'à ce que je verrai Afam. Maman ne veut pas me dire ce que je cherche à savoir. Je ne sais pas. Mon cœur est brisé. Sérieusement, je suis en train de pleurer. Ok, alors, je vais arrêter de pleurer. J'arrête de pleurer. Ce serait mieux pour moi que j'arrête. Ok, d'accord, on s'appelle. Oh mon Dieu, la femme, tu es où? Mais, arrête de te tourmenter. Hein? Pourquoi tu veux te faire du mal toi-même? Nemo Guini, qu'est-ce qu'il y a? Hein? La nourriture que je préparais pour toi, tu l'as même pas touchée. Oh Guini, je vis la nourriture que je préparais pour toi, tu l'as même pas mangée. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu veux mourir de faim toi-même? Tu es ici il y a 3 jours, mais tu es toujours dans le stress. Tout ce qui t'arrivera, les gens me prendront comme responsable. S'il te plaît, si vraiment tu es mon fils, alors tu dois manger. S'il te plaît, tu dois manger. Tu dois aller à la maison et te rafraîchir. S'il te plaît. Maman, je m'en fous. Je m'en fous d'avoir porté ces vêtements depuis 3 jours maintenant. Maman, si cela veut dire que je veux voir Afam, je veux seulement voir l'homme que j'aime. Je veux voir. Je m'en fous. D'ailleurs, même de la nourriture, je n'ai pas faim, je ne vais pas manger. Parce que je suis sûre d'où Afam se trouve, il n'a pas encore mangé. Je ne veux pas non plus manger. Maman, arrête de pleurer. Je sais comment tu ressens. Je sais comment tu peux te sauver et ton mère. Mais si tu ne pleures pas. Chicken wine. Nago achalani. Uje kina wine. Okula Kalicia, maintenant que je vais commencer ces rituels avec ces têtus étrangers, guéris-le, ainsi il parlera de ta puissance dans sa terre étrangère. Enfant. Le temps est arrivé. Nagwa chala. Ezewa inchala cha. Ezewa injocha. Ezewa yobioma. Le temps est arrivé pour toi de guérir ton fils. Tu m'as donné la mission de sauver et non de tuer. C'est temps, c'est maintenant. Nye guachala. Anguachala. Nemo. Onyo agala. Nemo.
Ce jour est déjà arrivé. Maman, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas. Ils m'ont dit après 7 jours. Si ce n'est pas le cas, il est mort. Eh non, maman, ne dis pas ça. Ne parle pas de la mort. Impossible. Non. Mon femme ne peut pas mourir. Mon femme ne peut pas mourir. Maman, il est revenu. Mon femme est revenue. Bébé. Bébé, je vais bien. Maman, qu'est-ce que tu sais si tu vas bien, maman? Maman, je vous remercie, mon Dieu, du fond de mon cœur. Tu as juste voyagé, tu ne m'as pas dit. Mon cœur est à l'aise. Je l'avais dit, tu vas venir. C'est bon, le plus important est que mon amour est de retour. Oui. Je vais le préparer. Nice. Je pensais que tu n'allais plus revenir. Je suis là. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mon Dieu. Quelle merveilleuse créature. Et pourquoi avait-elle accepté la position d'une déesse dans ce village? Je n'arrive plus à sortir de ma tête. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée parce que je n'ai plus à me retenir. Désolée. Et je vais jeter mes chaussures parce que je devais te dire merci d'avoir sauvé ma vie. Que l'honneur soit rendu à la déesse de Aguachala. Non, je dois te remercier, toi. Parce que sans toi, il n'y avait aucune déesse qui pouvait résoudre le problème. Voilà pourquoi je te dis merci. Voici ce que j'ai pu apporter pour te témoigner ma gratitude. Et juste te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Je vois, ton offrande est bien reçue à crier. Merci. J'étais occupée avant que tu ne viennes. Tu peux t'en aller. Non, ce n'est pas un problème, tu sais, je ne suis pas vraiment pressée. Je peux toutefois mettre la fin d'attente quand tu vas finir, comme ça on pourra prendre le temps de poser. Tu peux partir. Thank you.
n'y a plus rien, c'est tout. Ijoma! Ijoma! Maman? Tous les réserves d'eau sont vides. Tu n'as même pas puisé de l'eau depuis longtemps pour la maison. Tous les réserves sont vides. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Tu avais déjà parlé de mes comportements à Ikenga. Alors, laisse-moi résoudre mes problèmes, s'il te plaît. Donc, parce que je n'ai pas parlé à Ikenga à ton sujet, c'est pourquoi tu veux nous tuer de soif dans cette maison. Il n'y a même pas une goutte d'eau pour se laver, ni pour la cuisine. Ijoma. Maman, tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ta mère biologique, qui t'ai portée dans mon sein, c'est quelle question stupide comme ça? Maman, s'il te plaît, maman, aide-moi à parler à Ikenga. S'il te plaît, aide-moi à le faire. Je te préviens, je vais me tuer. Oh. Je vais me tuer, maman. Bienvenue dans ma maison, femme de Hong Kong, au Fouwa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous ne sommes pas là pour t'offenser. Je suis venue te rappeler que ma fille ici, Joma, est prête pour toi. Bien, son sein est prêt pour porter du fruit. Bien sûr, tu le sais bien. Que ma fille a été fiancée à toi dès le jour de sa naissance. Sur base de relations que ma famille a eues avec la tienne, ton père, le grand Ezeboubé, l'a scellée en payant sa dot en ton nom alors que tu étais encore enfant. Même mon défunt mari, Onkongo Okofo, a donné à ton père une terre à Okudara, comme son gendre. Et c'est pourquoi je suis venue te demander, qu'est-ce qui manque pour que tu viennes récupérer ta femme? Vous pouvez reprendre le terrain que mon père a remis au vôtre et vous retourner aussi à la dot. C'est simple. Je n'aime pas votre fille et nous sommes suffisamment âgés pour prendre une décision. S'il vous plaît. Maman, je pense que tu l'as bien entendu. Tu l'as bien entendu. Maman, tu vois. Sois calme, ma fille. Ma fille t'aime énormément. Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? S'il te plaît. Ne me touche pas. N'ose pas me toucher. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je ferai de toi l'homme le plus heureux de la planète. S'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Écoute-moi attentivement, femme de Hongkongwa. Comme je l'ai dit tantôt, je ne veux pas me marier. En fait, je ne veux pas me marier. C'est simple. Trouve à ta fille un mari et puis elle se mariera. Elle est très jolie. C'est à cause de cette prêtresse maléfique, n'est-ce pas? Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ferme-la. Mais tchong, fais gaffe. Ne parle pas mal de la prêtresse avant que tu n'en subisses les conséquences. Mon fils, je t'en prie, pardonne-lui. Elle ne maîtrise rien de notre culture. Je t'en prie, pardonne-lui. Je peux lui pardonner juste à cause de vous. Reviens ici, reviens ici. Reviens, toi. Et Wawan, ose encore faire un pas. D'où tu es, Idioma, tu verras. Viens, c'était quoi cet embarrassement? As-tu perdu des sens? Maman, Ikenga a besoin de quelqu'un pour lui apprendre les manières. Tu crois que la bonne manière de le faire serait de parler en mal de la prêtresse? Maman, je suis sûre et certaine que Ikenga a une affaire avec Ijamaka, cette voleuse de mari-là. Tam Chon, tu continues de parler, laisse-moi t'avertir. Si tu ne changes pas ta manière de penser, tu vas les regretter toute la vie. Je ne fais que me battre pour ce qui me revient des droits. C'est ce que je fais. Un enfant qui n'écoute pas les conseils de ses parents regrette ses actions après. Je crois avoir fait mon point. Mmh.
je l'avoue. Tu es énorme, c'est dénoncé sur ton visage. Sois soyez fort, soyez le fort. Arrive à dire ce que tu ressens. Sois fort, sois fort, sois fort, sois fort. Et ça, mes prêtresses, comment tu vas? En quoi puis-je t'aider, étranger? Je m'appelle Afam, Afam Fouma. Tu peux m'appeler Afam. Dis-moi pourquoi tu es là. Je n'ai pas de temps pour toi. On dit que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la présence de la peur marque l'absence de la volonté d'avancer. Je veux juste te dire que tu es très gentil. Oui, je veux te l'avouer pour que tu comprennes que je suis intéressé par toi. Je voudrais t'amener à vivre une très bonne vie. Te montrer toutes ces très bonnes choses qui sont à ta attente. Et pour vous autres, vous pouvez faire quelque chose de mieux avec vos vies au lieu de rester ici dans la brousse. Prêtresse, accorde-moi cette chance de t'aimer un peu plus. Je voudrais épouser. Mon cœur m'appartient. Comment oses-tu parler en mal de ma tradition? Je suis désolé. Une mouche te tue. Finis sa course. Sous la tombe. Sois prévenu, toi, étranger. Sois averti, étranger. Je veux dire qu'il n'y a rien de mal en disant ce que je me sens, tu sais. Prête, qu'est-ce que je veux. Va-t'en, avant que je ne t'étrangle à mort. Va-t'en. Disparais. Je parti. La grande prêtresse d'Aguachala. Ma prêtresse, tu parais très en colère et vraiment dérangée. Quel est le problème? Il y a quelque chose qui te dérange? Parle-moi. L'étranger que j'ai eu à guérir me fait la cour. Et il m'a touché. L'étranger que tu as aidé te fait la cour? Et il ose te toucher? J'ai parié qu'il soit sur ce chemin de retour. Alors je m'en vais les détruire pour une bonne fois. Non, Ginga, tu ne le feras pas. Tu ne peux pas les tuer. Et je ne peux pas non plus les mettre et les boire, te foutre dans une telle situation. Essuyer également notre terre. Non! Ne te dérange pas. Je vais en finir avec lui, à ma manière. Il doit comptabiliser les jours d'aujourd'hui parmi ses jours les plus chanceux. À la prochaine, il en paiera, prie. Je dois aller communier avec les dieux. Tu m'as menti. Tu te trompes. Tu me rends la vie dure. Hein? Oui, tu me rends la vie dure. Es-tu normal? Je suis en train de te distraire. Oh, pas de problème. Je veux une explication ici et maintenant. Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? C'est mon téléphone qui choisit qui répondre et à qui ne pas répondre. Mais ça notre sale mémoire. Oh, vraiment? Afam, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est moi qui te demande qu'est-ce qui se passe? Quoi? Écoute, j'étais très heureux avant que tu viennes dans cette maison. Si tu ne veux pas me donner la même peine que j'avais avant que tu viennes, reste ici et regarde la télévision ou tu vas chez toi. Excuse-moi. Quoi?
me demandes indirectement de sortir de ta maison. Afam, tu te trompes. Je suis venue pour rester. Et personne ne me mettra. Afam, je suis ici pour rester. Qu'est-ce que je peux faire à Afam? Je ne me rappelle pas avoir fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui signifie tout ceci? Pourquoi? Pourquoi il a pu me faire ça? Afam doit me dire ce que j'ai fait. Allô? Ah, prends la peine. Allô, bébé. Mon roi. Bébé, qu'est-ce que j'ai fait? Dis mon nom, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Il a coupé? Mais qu'est-ce qui se passe? La femme a coupé l'appel. Écoute, ce que les gens vont dire n'a rien à voir avec moi. Et je pense que ce qui compte pour moi maintenant, c'est que je le sens. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Tu es vraiment amusant, mon cher. Très amusant. Je veux dire... Comment est-ce que quelqu'un qui peut être fier parce qu'il est amoureux d'une prêtresse? Hein? C'est sûrement une malédiction. Tu parles vraiment comme un roi. Pour être franc avec toi, tu parles vraiment comme un roi. En fait, mais comment tu peux croire que je suis sous une malédiction? Laisse-moi te dire, mec, personne ne peut me jeter en mauvais sort. Mais tu sais qu'il est très important de ce qu'on peut aimer et apprécier. C'est très différent. Maintenant, dis-moi donc, comment tu trouves ta fiancée? C'est une très bonne personne, je l'apprécie. Elle s'accroche, hein? Mais elle est vraiment une envoyeuse spéciale. Mais la vérité, c'est que le plus tôt je résolve mes soucis, le mieux, je n'y arrive toujours pas. Mais tu lui avais demandé sa main. Également, j'ai vu toute la vidéo et j'étais aussi content. Oui, bien sûr. Tu sais, moi, je n'ai pas le fait que j'ai appelé mon père. Mais je l'avais juste fait parce que sa maman m'avait demandé de vivre avec elle et ses filles. Et aussi, ce que j'ai fait, c'était juste pour plaire à ma maman. Alors, s'il te plaît, mec, prends en compte mes sentiments. Afam Mfuna, vas-y, doucement. C'est tout ce que je peux te dire. Je suis un adulte, mec. Je vais très facilement gérer les choses. D'accord, mec. Mais de toutes les façons, on peut aimer ça, parce que je suis très bonne personne. Si tu veux la prendre, je t'assure que tu peux avancer. J'ai dû en avancer. Oh, pardon. Oh non, je ne peux pas recevoir ceci. Je ne peux pas recevoir ceci. Parle-moi. Angèle, regarde-moi. Je t'ai tout dit à travers le téléphone, n'est-ce pas? C'est exactement ce par quoi je suis en train de passer. Je ne sais pas ce que j'ai fait, hein. Personnellement, je n'ai rien fait. Alors, ma, es-tu vraiment sûre de tout ce que tu dis? Je te le dis. Es-tu vraiment sûre? Ce n'est pas possible. Ma chère, tu sais que je ne peux pas faire ça. Donc, cela veut dire qu'il te trompe? Sérieusement, je n'ai pas expliqué. Ah, mon ami, vraiment, après cette souffrance que tu as endurée avec lui. Ah. Mais c'est ça, et tu sais que les femmes n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Tu le sais. Il a juste changé, comme... Il m'ignore comme si on ne s'est jamais connu. Il ne veut même plus m'attendre parler. Et il ne fait que mentir comme si je ne suis pas... Comme si je ne fais rien du tout. Je suis confuse. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. Ça va aller. Je vais parler avec lui. Je vais le gronder. Crois-moi. Ma chérie, juste calme-toi. Présentement, ce n'est pas nécessaire de parler à Afam. Non, je dois le faire. Tu ne peux pas parler à Afam parce que je pense qu'il est malade. Oui, tu vas lui parler peut-être prochainement. Alors, s'il te plaît, ne parle pas à Afam. Laisse-le. Je pense même que je vais venir. C'est bon, ça va aller. Mon ami, viens. Je veux juste qu'Afam arrête tout ceci. Il est en train de m'affecter émotionnellement. Ikenga,
le grand fils des Ebou. Ma prêtresse. Tu as toujours été ainsi depuis ton enfance. Dis-moi, j'ai toujours été honnête dans tout ce que je te dis. Oui, je sais. Je sais. Ikenga. Ma prêtresse. S'il te plaît, n'oublie pas d'utiliser les Ojuko pour parler avec Ndecha. C'est très très important. Juste comme nous avons discuté. Ma prêtresse, comment puis-je oublier quelque chose d'aussi important que ça? C'est très important. Très bien. Ah, ma prêtresse. Toi encore? Je veux moi désolé pour ce qui s'était passé la fois passée. J'avais vraiment tort. Qu'est-ce que tu veux? Parle! Avant que tu ne regrettes d'avoir posé tes pieds devant moi. Ma prêtresse, je pense que vous avez vraiment perdu le bien de vous, monsieur. Rien juste qui dérange. Il y a un problème, ma prêtresse. C'est lui, l'étranger que j'ai eu à guérir par la sacristie du Seigneur. Depuis, il ne veut pas rester loin de moi. Mais ne t'en fais pas. Je m'occuperai de lui moi-même. Donc, c'est toi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé pour ça. Je m'occupe juste de que mon ami. Je disais que tu m'as sauvé la vie. Hein? Je sens comme si j'ai une éternelle bêtise avec toi. Alors, s'il te plaît, elle n'est pas intéressée à tes cadeaux. Et je t'avertis de rester loin de la grande prêtresse d'Awachala. Alors, il faut partir, toi, étranger. Pars avant que tu ne rencontres la mort sur ton chemin. C'est juste un très bon cadeau venant de l'homme innocent. Juste de me faire que je veux me reconnaissant. Je veux sauver la vie et je te suis reconnaissant. Et je dis qu'elle ne veut pas de ton cadeau. Et tu sors. Chibundo. Et Zéwaïa. Récupère le présent. Merci, mon prêtresse. Merci, belle femme. Pas. À l'instant. Merci, mon prêtresse. Merci beaucoup. Merci, mon prêtresse. Attends. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est en train de se passer? C'est quoi la chose que tu ne comprends pas? Tu l'as entendu? Il a dit qu'il a amené ses prisons en termes de gratitude. Ce n'est pas pour moi. C'est pour la déesse. Partons d'ici. Ikenga! Ikenga! Je ne peux pas le laisser. Jamais. Je préfère mourir plutôt que de regarder épouser une autre femme. Regardez-moi. Ne suis-je pas assez belle? Oh, jamais. Je ne vais pas lui permettre. J'en finirai avec toi. Je peux sentir cette colère dans ton cœur. Oh, Ikenga, tu es là. Oui, je suis ici pour te sauver. Pour te sauver la vie. Abandonne ton plan diabolique. Et que la destinée prévale. Je ne comprends pas tes coups partis. Veux-tu le nier? N'oublie pas que je suis Kenga, le petit-fils d'Izé. Je vois au-delà du naturel. Et toi, mère Olochi, te bénis. La fille de Konko no Kumba. Oya te kwe kwa koko iyo iyo koko. Na kwa chala oya te kwe kwa koko. Mshane menuo. Ije.
Tristesse, don't fall in love. Love, one who won't work. C'est très joli. Et c'est une marque qui coûte cher. Mais pourquoi il fait ça? Si seulement il connaissait les dangers qui tomberaient sur lui. Je suis vraiment sûr qu'elle va apprécier ce cadeau. Elle a des merveilleux yeux. Hein? Je n'ai jamais vu une telle beauté chez un machin. Mais parfois, je me demande pourquoi est-ce que ces mauvais esprits peuvent aller posséder une très très belle fille. Pendant qu'il y a beaucoup de vilaines filles en train d'être très mal partout ailleurs. Hein? Mais ces esprits sont vraiment égoïstes, très très égoïstes. Ils ne les feront jamais une vilaine fille. Ils vont juste posséder une très très belle fille. J'imagine une belle fille servir une déité dans cette grande fille. Oh mon, je veux la région à servir cette déité. Comme ça, elle acceptera de se marier. Afam, je suis ici pour qu'on en finisse avec cette histoire une fois pour toutes. Afam, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es en train de me traiter de la sorte? Tu ignores mes appels, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je ne suis pas folle, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce qui signifie tout ceci? Pas encore, Afam. Afam, tu ne vas pas partir. Tu ne partiras nulle part tant que je suis ici. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu fais ça? Bébé, ces derniers temps, je pleure toute la nuit et je ne me vais pas bien. Ça ne va pas, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît. La vérité, c'est que mon corps est mon esprit qui déjà abandonné. Quoi? En fait, que gagnerais-je si je continue à te garder et faire perdre? Et s'il te plaît. Quoi? Et c'est fini. Afam, non, ah, Angèle, mon cœur est brisé. Je sais ce que tu ressens. Non, Angèle, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que je ressens. Je vais juste me réveiller de ces rêves. Parce que je crois que je suis en train de rêver. Ce n'est pas réel, ceci n'est pas arrivé. Pourquoi je mérite vraiment ça? Un femme m'a regardé dans les yeux. Et m'a dit que c'était terminé. Que c'était terminé entre nous. Afam m'a dit que c'était terminé. Une relation qui a duré des années. Mais pour quelle raison si j'ai pu savoir? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Es-tu sûr qu'il court derrière une autre femme? S'il te plaît, parle-moi. Arrête, bébé. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Je ne crois pas survivre à ça, Angèle. Je ne sais pas survivre à ça. Écoute. Tu dois te ressaisir, ok? Ce n'est pas la fin du monde. Tu dois te calmer. Angèle, tu ne comprends donc pas. Je suis traumatisée. C'est je suis montée comme bon. Si je... C'est bon,
tu dois te ressaisir quand même, Prisca. Mais pourquoi la femme me fait tout ceci? Peux-tu me dire pourquoi? Alors j'irai mieux. Juste dites-moi pourquoi il me fait tout ça. Et j'irai mieux, et je ne vais plus pleurer, et je ne parlerai plus. L'homme que j'ai aimé la femme, je l'ai aimé, et je ne l'ai jamais trompé. J'ai été loyale, j'ai été une copine fidèle. La femme m'a demandé un mariage, et maintenant il me dit que c'est terminé. Tu finiras toujours par trouver celui qui t'appartient. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. D'accord, je vais arrêter de pleurer. Je dois partir maintenant. Je t'appellerai, ok? C'est bon, arrête. D'accord, ok. Je vais pleurer. Je t'appellerai, ok? C'est bon, arrête. C'est bon. D'accord, je bye. Bye, ça ira. À femme, à femme. À femme? Oh femme, pourquoi? Je ne mérite pas ça. Ça, c'est une grosse abomination. C'est incroyable. Comment une fille aussi prometteuse peut commettre un tel mauvais acte dans son cœur? Comment expliquer? Naïe, je vous prie, pardon, oui, connu. Ayez pitié, miséricorde, je plaide. Enfin, perdez ma fille, que rien de mal ne lui arrive, je vous prie, pardon. Ferme ta bouche, femme. Garde silence. S'il vous plaît. Ogeba Guadjaro. La prêtresse de Guadjaro. À vous la parole. Femme, ta fille a commis une abomination. C'est une abomination de planifier d'exécuter le mal contre la prêtresse de Guadjaro. Toi et ta fille, vous êtes bannis de Guadjaro pour toujours. La jeune prêtresse de Guadjaro, je comprends que vous soyez en colère ainsi que les dieux soient vraiment intéressés de colère. Mais je pense qu'il peut y avoir une mesure de grâce pour cette dame. Cette dame qui a passé beaucoup d'années ici à servir loyalement notre village. Je t'en prie d'avoir pitié de moi. Elle doit apporter 3 grandes chèvres, 25 pièces de noix colade au Bojo, 4 coqs blancs, 25 paniers d'igname et 100 pièces de cacao dans les 5 jours qui viennent. Ces 5 jours qui viennent, pendant le jour du marché, elle va aller dans la rivière de l'eau pour la purification. Après cette étape, elle sera pardonnée. Ah, aisez-moi. Merci. Merci. Merci beaucoup, aisez-moi. Merci, merci la grande prêtresse d'Aguachala. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te suis vraiment reconnaissant. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ceci. Grande sœur, laisse-moi aller te chercher un verre de jus. Je ne suis pas intéressée, ne t'en fais pas. Ça va aller. Je sais. Écoute, je dis ceci. Je sais tout ce qui te dérange. J'ai écouté les conseils de ton ami. Mais si je peux te suggérer, je te dirai de continuer avec la vie. Cependant, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Grande sœur, tu es très belle. Tu as eu de l'argent. Ça et là, alors continue avec la vie. Annie,
Annie, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Grinceur, je que toi. Nous avons perdu nos parents au bas âge. S'il te plaît, arrête de te faire ceci. Arrête de faire du mal à cause de l'homme, s'il te plaît. D'accord, Emita. Merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord, je serai forte. As-tu mangé? Comment est-ce que je peux manger? Comment est-ce que je peux manger alors que tu n'es pas d'humeur? Comment est-ce que je peux manger? T'inquiète, juste va à l'intérieur. Cherche-toi quelque chose à manger, ok? Présentement, j'ai perdu l'appétit. Ah, ok, ne t'inquiète pas, je vais manger après. Juste, vas-y, ok? D'accord, pas de problème. Je vais manger. Je vais manger, juste, vas-y, ok? Je vais manger. Je ne sais pas ce qui arrive à la femme. Tu dois bien le vérifier. Parce que la dernière fois que tu m'as appelé au téléphone, avant même que tu finisses tout ce que tu me disais, Afa était déjà là. Alors ouvre les yeux. Est-ce que tu l'as fait quelque chose de mal? Maman, je n'ai vraiment rien fait de mal à Afa. Ah, oui. Je suis sûre que je n'ai rien fait de mal. Maman, je suis juste allée le voir afin de m'excuser pour une chose que je ne connais pas. Il m'a juste mis dehors. Afam m'a mis hors de sa maison. Tu dis vraiment vrai? Je ne sais pas. Non, je dois vraiment l'appeler. Attends, laisse-moi l'appeler. Ah. Non. Et non, quoi? Maman, il est là. Eh oh. Attends. Ah, c'est comme si c'était une coïncidence. Afam, je voulais déjà t'appeler avant même que tu sois là. Oui, maman, je suis désolée de ne m'avoir pas dit. Je venais déjà au village. Mon amour. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Hein? Non, du calme. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un problème, parle à ta maman. Oh. Maman, il n'y a pas du tout un problème, d'accord? C'est Lumière? Oui, bien sûr, maman, c'est vraiment ça. Mais le plus grand problème, c'est que je pense pas que je pourrais encore l'épouser. Alors, tu sais, maman, le concept de mariage, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, quand on a beaucoup de passé, et choisir quelqu'un avec qui tu pourras passer pour l'année. Ah, pour ça, je l'aime. Tu ne l'as jamais aimé? Non, vas-y, dis-moi. Hein? Affamé Founa. Affamé Founa. Maman. Affamé Founa. Maman, je n'ai marre de tout ceci. Je ne peux pas continuer à le nier. Hein? Maman, ce qui compte, c'est mes sentiments. Et ce qui compte, c'est choisir la femme avec qui je passerai le reste de ma vie. Maman, je suis ton unique fils. Je comprends le fait que je fais pression pour que je me suis marié. Et toute cette manœuvre pendant tout ça, c'est parce que j'avais juste besoin de plaire. Elle est une très bonne fille, comme je l'ai dit tantôt. Et elle peut toujours trouver quelqu'un d'autre. Alors, s'il te plaît, nombreuses sont les seules choses qui comptent ici. S'il te plaît. Prisca, et je pense que tu dois déjà rentrer à la merveille. C'est la merveille. Afam, ce n'est pas toi. Afam, ce n'est pas toi qui parles. Et ce que je te dis est sorti de ma bouche. Ce n'est pas vrai. Calmez-vous. Je dis que je ne suis plus chaud à ça. Ça ne vient pas de toi. Afam, pourquoi? Pourquoi? Et s'il te plaît, quand tu auras fini comme ça, tu vas. Hein? Afamé Founa. Afamé Founa. C'est pas normal. Et maman. Afamé Founa. Et maman. Tu plaisantes? Hey! Tu ne sais pas à quel point cette fille t'aime. Raison pour laquelle tu vas choisir une autre fille que elle. De toutes les façons, qui est cette fille que tu as choisie plutôt que cette belle fille? Eh bien, maman, ce n'est personne d'autre que la prêtresse de Abouadja au village. Quoi? La prêtresse du village Abouadja. Tu te trompes. Je t'ai dit, tu te trompes. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hey! Pourquoi tu veux me ramener une sorcière dans ma maison? Comment l'as-tu appelée? Obanje, Dieu t'a donné une ange. Tu n'as pas voulu. Tu veux cette Obanje.
Tu vas te mettre dans le problème, dans le trouble. Et cette fille, il y a un fake. Elle est juste en train de subir ce que ses ancêtres ont pu mettre en elle. Alors, écoute, j'ai trouvé la femme et c'est l'homme que je suis fatigué de toujours me plaindre, cherchant à faire quelque chose que je n'ai jamais voulu faire. Maman, il s'agit du mariage, mais si c'est pas autre chose, si c'est vraiment question de la vie, laisse-moi venir par la suite. S'il vous plaît. Pas de problème. Tu épouseras cette fille quand je ne serai plus en vie. Et qui êtes-vous et pourquoi est-ce que vous me parlez? Et où veux-tu aller, monsieur l'étranger? Vous n'avez rien à foutre avec ma destination. Pourquoi vous me mettez-vous en retard tout en me marrant? Et je n'ai rien à foutre avec vous, alors s'il vous plaît. Et dire à ces gens, et ces gens de rien, ou des hommes, de me laisser passer sans me marrer mon corps. Quel avantage! Ce qui m'énerve, c'est que même pas les dieux ne me parlent pas de cette façon. Tu es dans un lieu étranger, tu peux te perdre, et personne ne saura où tu es. À ce que je sache, la prêtresse t'a déjà guéri. Et tu n'as plus rien à faire dans ces lieux, dans ces sanctuaires. Alors, va-t'en. Et si la prêtresse ne veut plus de moi, alors elle devra me le dire ouvertement, en me regardant droit dans les yeux, en disant qu'elle ne veut pas de moi, et je ne viendrai plus. Et donc, s'il vous plaît, laissez-moi passer tranquillement. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Et qu'un gars est j'aime ces gens de défi. Alors je voudrais que les choses soient très claires avec vous. Je n'ai rien à foutre avec vous. Laissez-moi passer tranquillement. Je suis en train de vaquer les pauvres avec. Et occupez-vous de votre. Laissez-moi partir. Et à chaque fois que vous me verrez à cet endroit, laissez-moi tranquille et laissez-moi passer. Je n'ai rien à foutre avec vous. C'est quoi votre problème? Laissez-moi passer. Hein? Oh, c'est terminé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Respecte-toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je fonctionne bien. Tu veux très bien m'écouter. Respecte-toi comme ça. Respecte-toi. Merde. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis réveillé ce matin, oui. Et j'ai démarré l'aventure. Et je suis sorti. Je ne suis jamais arrivé jusqu'à la piscine où j'avais acheté une paix. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi que ces personnes sont ici? Non, mais attends. Je devrais voir la prêtresse. Je devrais voir, oui. Personne ne peut m'empêcher de voir la prêtresse. Je dois aller la voir. Je dois la prêtresse.
je dois y aller. C'est moi qui dois te remercier parce que je suis très heureux de te voir. Très heureux de te voir. Salut, maîtresse. Tu es même. C'est encore toi. Quoi? D'abord, c'est que je suis venu te chercher. Non, mais c'est ta maison? Ne me pousse pas à bouger, non. Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, cet étranger? Tu n'as pas le droit de lui adresser la parole. De cette manière. Devant moi. Il est vraiment très grossier. Quand je venais de voir, il a parlé la route avec ses hommes. Il m'a demandé de présenter la maison, mais j'ai refusé. Et le pire dans tout ça, c'est que mon véhicule a refusé de fonctionner. Et j'essaie de tout faire, mais ça a refusé. Ikenga, je crois t'avoir dit de rester loin de cette affaire. Je peux le gérer. Tu ne peux pas aller aussi loin. Je sais pas, tu le crois, non? Bien sûr, tu sais de quoi je parle. Bien sûr. Ikenga, libère son véhicule pour qu'il rentre. Maintenant. Ikenga, je t'ai demandé de libérer son véhicule pour qu'il rentre à la maison. Fais-le pour moi. S'il te plaît. Étranger. Hey. Tu peux rentrer à la maison. Ton véhicule est fixé. Merci, ma prêtresse. Pas. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé, mais une chose de plus. Et je t'ai acheté quelque chose de très important. Quelque chose qui a plus de valeur dans la collection de Paris. Regarde ça, c'est très joli. Alors, je vais juste lui faire porter. Mais comme ça, c'est une merde. C'est une merde. C'est juste un cadeau. Et je sais que tu vas passer. C'est une des meilleures collections de la ville. Oui. Vas-y, passe. C'est juste un cadeau. Et pas plus. Étranger. C'est très dangereux. Ce que tu me demandes est très dangereux. Puisque ceci n'affectera pas seulement moi, mais ça t'affectera aussi toi et tout le village. Prêtresse, ça m'est égal. Aussi longtemps que cela m'affectera, ça m'est égal. Je n'arrive pas à m'y prendre. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je n'arrive pas à imaginer ma vie. La étranger, terre sans toi. N'est-ce pas qu'il y a pas mal de filles? D'où tu viens? Prends-en une. Épouse-la. Ma décision est prise. C'est soit toi, la prêtresse de Dieu, soit personne. Étranger, tu es en train de risquer ta vie. Et ça m'est égal mourir pour quelque chose auquel je crois. Et ça m'est égal si je dois mourir pour la joie de mon cœur. Ne sois pas ce genre de mouche têtue qui suit les cadavres jusqu'à la tombe. Ce que tu me demandes est très dangereux.
Tu dois lâcher prise et sauver ta vie. Y a-t-il quelque chose de mal lorsqu'un homme a estimé ce qu'il a dans son cœur? Y a-t-il quelque chose de mal lorsque quelqu'un doit mourir pour s'y accroître? Une prêtresse, ma vie sans toi, rien possible. Je suis prête à payer n'importe quel prix si cela m'exigerait d'être avec toi. Et je suis prête à ça. Ainsi je dis. Étranger, ce que tu cherches est très dangereux et c'est plus profond que toi. Ma jambe. Oh, la fierté d'Agua, tu es là. Et s'il te plaît, je veux que tu m'aides. Mon cousin est en souffrance et il a vraiment besoin de toi. Et s'il te plaît, il souffre terriblement. Il a été mordu par un cobra avec nous. Oui, je sais. Et je sais. Je l'ai amené ici parce que je sais que c'est toi qui veux prendre soin de lui. S'il te plaît. T'inquiète. Je prendrai soin de lui. Merci. Je peux vraiment te dire merci. Et merci beaucoup. Merci. Tu peux rentrer à la maison. Reviens demain pendant la journée. Tu vas les retrouver en forme et en bonne santé. La fierté d'Agua Tchala. Igeba Agua Tchala Djafouzou. Si Kenga, nous irons à la maison. Merci. Je dois déjà partir. Ok. Allons-y. Non, tu ne peux pas mourir avec toi. Non, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Non, réveille-toi. Réveille-toi.
Vous m'avez vraiment forcé. Ikenga. Faire quelque chose hors de ma volonté. Ikenga, s'il te plaît, calme-toi. Ikenga, Ikenga, non, pas ça. S'il te plaît, je te prie, pardon. Écoute, ce n'est pas de sa faute. Si quelqu'un doit être puni ici, c'est moi. C'est de ma faute. Non, il n'a rien à voir. Je suis vraiment déçu de toi. Je ne veux absolument rien entendre. Tu as failli à ta mission. À cause de tout ceci, tu as tout perdu. Et il est mort sous tes yeux. Et tu as laissé mon cousin mourir souffrant. Et sache que je ne pourrai jamais, jamais te pardonner. Ikenga, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais que je fais une erreur grave. Je l'accepte. Je te demande pardon. S'il te plaît, je suis désolée. Pardon. Je n'ai rien fait avec lui. S'il te plaît, comprends-moi. Je m'en fous. Ça m'est égal. Oui, j'ai commis une erreur grave. Mais je l'accepte. Je te prie, pardon, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis vraiment désolée. Non. Ikenga, je suis désolée. Je reconnais mon erreur. Je suis désolée. Allez. Ikenga, je suis désolé. Mon très cher frère cousin. La prêtresse n'avait pas tiré attention à toi. Elle n'y avait pas tiré attention qu'elle t'a laissé mourir. Je sais que tu n'es pas heureux partout où tu y es, mais... S'il te plaît. S'il te plaît, ne te venge pas. Je veux vraiment que tu reposes en paix. Repose-toi en paix. Je ne me rappelle pas de t'avoir invité ici chez moi à la maison. Qu'est-ce que tu cherches? Parle! Je n'ai pas de temps à t'accorder. Ikenga, je suis désolée pour la perte de ton cousin. Oh, vraiment? S'il te plaît, présente mes excuses aux morts. Et tu penses que c'est facile? J'ai amené mon cousin dans ton sanctuaire pour que tu lui sauves la vie. Tu lui as plutôt infligé la mort. Et tu m'as mis dans tous les états. Te voici ici présente pour que je te pardonne. Pas. S'il te plaît, Ikenga, comme je l'ai dit, s'il te plaît, mon ami, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ce n'était pas du tout intentionnel. Ikenga, si tu ne peux pas me pardonner, qu'est-ce que tu t'attendras de mort pour moi? S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai apporté ces présents pour apaiser le mort. S'il te plaît, accepte-les. Je te pardonne. Merci. Maintenant, tu es bienvenue chez moi. Merci. Je m'en vais maintenant. On a pas de mode là, on a venu pour le coup. On m'a pas regardé beaucoup. Ça se fait pas ici. On est mieux. C'est beau. Alors, s'il te plaît, pardonne la prêtresse. Elle t'a apporté ceci pour que tu apaises ta colère. Et je veux que tu reposes en paix. Pardonne-lui. Et s'il te plaît, pardonne-lui. Je veux que tu reposes en paix. S'il te plaît, pardonne-lui. Mon cher frère,
Repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Ne rends pas la sincère si tu te fais du mal, d'accord? Repose en paix. Ne fais pas ceci. Hein? Et s'il te plaît, repose en paix. Prochaine vie, n'ose jamais défier quelqu'un comme moi. Je suis Kinga. Regarde ce que tu t'es cherché. Regarde là où tu t'es mis. Je t'avais interdit. La chose qui t'avait ramené à vie va encore le refaire. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Pas de problème. Et si cet homme ne t'avait pas vu pour te ramener dans cet hôpital, j'allais déjà te trouver mort. Oh, madame. Docteur. Ne pleure pas, ok? Ne pleure pas. Oui, alors, comment va-t-il? Il y a un changement. Madame, comme vous le voyez, il sera guéri. Ne pleure pas. Oui, je sais qu'il ira mieux. Je sais qu'il ira mieux. Donc, je ne sais pas si tu as vraiment un fils pour comprendre tout ça. D'ailleurs, il doit être guéri maintenant. Ok? Il sera guéri. Ok? Il ira mieux. Il a besoin assez du repos. Ce dont il a besoin maintenant, c'est assez du repos. Cependant, je vous prie d'aller avec moi à la réception. Nous devons parler. S'il vous plaît. Ça suffit. Il sera guéri, madame. Il sera guéri, je vous assure, madame. Allons-y.
Ezewai. 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 Donc, c'est comme ça que vous avez comploté pour tuer mon fils. Mon seul fils. Si quelque chose lui arrive, je ne pardonnerai personne dans ce village. De quoi es-tu en train de parler, femme? Mon fils est là, entre la vie et la mort à l'hôpital. Dis à tout celui qui a contribué que ça ne marchera pas avec eux. Bienvenue chez moi à la maison. Prêtresse d'Agwajala, que me vaut cette visite? Ikenga, pourquoi tu t'es décidé d'abuser du pouvoir qui t'est donné par ton Uchi, toi les grands fils des... Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es donc arrivé jusqu'au point de me mentir? Prêtresse d'Agwajala, est-ce que tu peux aller droit au but? Je n'ai pas de temps. Ça m'aiderait. Vous avez attaqué cet étranger, toi et tes garçons. Sa mère est venue aujourd'hui au sanctuaire en train de pleurer amèrement. Ses garçons et son unique fils. Je les lui avais défendu plusieurs fois, il n'avait pas écouté. Je t'avais dit de rester loin de l'affaire et de me laisser le gérer. Je t'avais dit de rester loin de lui. Tu m'avais demandé de rester loin de lui, comme quoi tu vas tout gérer. Le cœur de la grande prêtresse que je connais prouve autre chose pendant que ses lèvres sortent des choses superflues. Ikenga. Ikenga, est-ce que tu réalises que tu es en train de verser du sang humain? Si ce garçon perd sa vie, sache que ton pouvoir va périr pour toujours. Et si cela arrive, cela sera grâce à toi. Ikenga. Ikenga. Tu n'es pas encore rétabli, reste ici. Reste ici, le docteur qui doit prendre soin de toi n'est pas encore là, reste là. Tu dois te reposer ici. Non, reste là, ne bouge pas, reste là. On ne va pas rentrer à la maison, reste là, qu'est-ce qu'il y a, hein? Reste là, reste ici. Tu veux me tuer ou quoi, hein? Je t'ai dit de rester ici, ils vont prendre soin de toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'iras nulle part. Oh, c'est étranger. C'est étranger. Oh, il devait remercier ses ancêtres qui l'aient vécu. Je voulais les détruire, les faire payer pour ce qu'il a fait. Et c'est à cause de ces mêmes étrangers. La prêtresse a refusé de servir comme elle en a une habitude. La prêtresse est perdue. Elle est vraiment perdue. À cause de ce même étranger, j'ai tout perdu.
mon amitié avec la prêtresse. C'est un volé, c'est un volé. Et si seulement il pouvait comprendre c'est dans quoi il s'est plongé. Si seulement il savait qui est Ikenga. Si seulement il savait qui Ikenga est. Ifene menu ije oyate kwe kwa mume chane mekwe me na kwa shala oyate kwe kwa koko arue me lanu ehu oyate kwe kwa akwano bodo akwa shala na kwa shala oyate kwe kwa koko iyo iyo ije oyate kwe kwa mume akwa shala nodigu na kwa shala oyate kwe kwa koko. Maman, maman. Maman. Onye bu nwanne m ayoroma ba onye bu nwanne m ayoroma ba onye bu nwanne m ayoroma ba ezi nwanyi bu nwanne m ayoroma ba onye bu nwanne m ayoroma ba onye bu nwanne m étranger, tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui te dérange? Ma mère a disparu. Et c'est why. Ma mère n'est pas trouvable. Et je n'arrive pas à la trouver. Ta mère a disparu. Comment es-tu sûr que ta mère serait disparue? Je suis sûr, et c'est moi. Et c'est moi, j'en suis sûr. Ma maman était censée venir à l'hôpital où j'étais hospitalisé. Je l'ai attendu. Après un moment, j'ai quitté l'hôpital parce que je devais aller la chercher. Je ne pouvais pas la trouver. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé la nourrice qui m'a été censée m'amener. Il n'était pas par terre. Il y a un problème, et c'est moi. Et tout ce qu'il y avait comme objet dans cette maison était par terre. Et c'est moi. Il y avait tout. Tout était par terre. Et c'est moi. Et quand j'ai vu la porte, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Alors, et c'est moi. Ma maman n'est pas trouvable. Rentre à la maison. Ta mère reviendra à la maison. Prêtresse, et je devrais aller à la maison. Et je t'ai dit que maman n'est pas trouvable. Et tu me demandes d'aller à la maison. Rentre à la maison. Je suis très rassurée qu'elle va te revenir vivante. Pas. C'est pas comme si je suis en train de vinaigrer dans mon bois. C'est juste que j'ai besoin de maman retourner à la maison. C'est tout ce que je te demande. Je veux juste retourner à la maison et elle me demande. Elle me demande. C'est juste ça. C'est juste ça. Je veux que la maison. Je veux qu'elle retourne. Elle retourne à la maison. Ikenga, tu as assez maltraité cet homme. Tu commences à aller au-delà des limites. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse cette femme innocente rentrer chez elle. Tu sais à ce qu'il paraît, tu es en train de te battre pour ces garçons. Il doit assumer les conséquences de ce qu'il a pu faire de lui-même. Je vais couper la tête de sa mère et la mettre sur une assiette pour qu'elle y voie. Ikenga,
Qu'en est-il de ton pouvoir? Je me fous de tous ces pouvoirs-là. Et cet insensé m'a pratiquement défié, moi et Kinga. Je me fous de ce qu'il a dit de mon pouvoir. Je lui donnerai une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et Kinga, c'est ma décision, mon combat, mes conséquences et non le tien. Devrais-je te rappeler que lorsque quelque chose t'attaque toi, ça attaque également tout le monde. Mets ça dans ta tête. Ikenga, le grand-fils de Ezebube, un très bon ami à moi, le seul ami qui me comprend de l'intérieur comme de l'extérieur. S'il te plaît, je te prie, libère-la, laisse-la partir en cause. S'il te plaît, je te prie de le faire pour moi. Ne me touche pas, ça me fait mal. Affamé Funa, tu dois quitter cette fille. Affamé Funa, s'il te plaît, laisse cette fille tranquille, s'il te plaît. Oh. Cette prêtresse, s'il te plaît, tu dois rentrer en ville. Continue avec tes business. J'ai enfin réalisé que tu es en danger, s'il te plaît. Hey. Donc on t'a fait tout ceci juste à cause de cette fille. Hey, oui, c'est moi qui ai payé le prix. Oh. Ils m'ont grave frappé. Oh, s'il te plaît, mon fils, laisse cette fille tranquille, s'il te plaît. Maman, je sais maintenant que tu veux que je sois mort. Sans effet. Pas de problème. Je mourrai pour toi, pas de problème. Laisse-moi tranquille. Laisse-le venir me tuer. Maman, tu vas pas mourir. Je sais que tu as toujours voulu que je sois mort. Mao, laisse-moi mourir. Mao. Pas de problème, je vais mourir. Laisse-moi tranquille. Ne me touche pas, laisse-moi. Tu veux que je sois morte, laisse-moi mourir. Depuis que ton père est mort, c'est moi qui prends soin de toi, juste moi. Tu es mon seul fils. Mais tu ne veux pas m'écouter. Tu veux que ces gens-là me tuent. Ok, je vais mourir. Non, moi, je vais pas mourir. Quand je vais mourir, tu peux alors faire tout ce que tu veux. Non, arrête de parler de cette façon. C'est pas un problème. Je vais mourir. Je vais mourir. Maman, ce que vous me demandez de faire, c'est contre la loi de l'hôpital. Hey, docteur, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas, c'est encore flou pour vous apparemment. Si tu essaies de laisser cet enfant, il me laissera en trouble. S'il te plaît, je veux que son attention soit focus ici. S'il te plaît, oh. Je suis désolé. Si je fais ceci, je peux perdre même mon travail. Je vais perdre même tout mon intérêt. Docteur, tu vas perdre rien du tout. Regarde, la façon dont ce travail est important pour toi, c'est la même façon que mon fils est important pour moi. Hein? S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Écoute, quand mon fils viendra, dis-lui qu'il doit rester ici, s'il te plaît. Madame, c'est une très lourde charge. Je verrai ce que je pourrais faire. Merci. Docteur, un instant. S'il te plaît, viens.
Aide-moi à faire sortir mon fils dans tout ceci, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh. Madame, madame, ça va, j'ai compris. Oh. Je crois que je me suis toujours sentie différemment. Je ne peux pas continuer comme ça. Toutes ces choses me tirent au sol et je ne l'apprécie pas du tout. Je ne sais plus contrôler mes émotions. Je n'en peux plus. Aisez-moi, Nyeguachala, la grande prêtresse de ce royaume. Je te reçois chez moi. Bienvenue à la maison. Attends. Hein? Hey! Aisez-moi. La grande prêtresse. Attends. Hey. Merci beaucoup. Aisez-moi, Ni. Hein? Bienvenue. Oh. Hey. Hey. Bienvenue. Nimochi. Ma chère. Merci énormément. Grande prêtresse. Ma fille. Nimochi. Ne penses-tu pas que tu dois prendre une grande décision? Oh, Nimochi. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dois abandonner ton trône. Nimochi, mais... comment tu es au courant de cela? Qui te l'a dit? N'oublie pas que je suis ton aînée. Et la puissante grand-mère Aguachala était venue vers moi. Alors ma fille, je peux voir ton cœur. Ma chère, c'est la raison pour laquelle je suis venue te voir. Je suis confuse. Je ne sais pas où commencer. Je ne sais quoi faire. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je suis là. T'inquiète. Maman? Afam, j'allais de l'autre côté, espérant que j'allais te voir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais le docteur m'a dit que tu n'as pas de. J'ai vraiment. Oui, c'est vrai.
et que ça produit une sévère douleur. Mais pourquoi est-ce que tu es ici? Tu n'as plus confiance en mon Dieu? Ou c'est parce que je ne suis plus allongée dans cet hôpital? S'il te plaît, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Maman, la manière dont le docteur m'avait expliqué cette situation, j'étais supposée être calée sur l'hôpital. Il m'avait dit que je dois un peu m'asseoir plus pour que je puisse vite guérir. Maman, pourquoi tu dramatises les choses? Eken, moi dramatique. Ma hanche surtout me fait très mal. Et mon corps est en train de lâcher. Hey! Maman! Hey! Maman! Hein? Maman! Hey, Kemifuna! On doit partir. Hein? Tu m'as entendu? Je n'arrive même pas à marcher. Je ne saurais pas. Arrête, s'il te plaît, de faire cette tête. Je veux te laisser ici. Me laisser ici? Voyez-moi ces garçons. Afam! Ma fille Diamaka, est-ce que tu l'aimes? Oui, bien sûr. Je crois que tu connais le danger de ce que tu t'apprêtes à faire. Olucci, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est ma raison d'être ici. Qu'est-ce qui arriverait? J'espère que tu le saches. Parce que si il t'attrape avant de te libérer, tout le village entier serait à terre. Ça, moi je connais. Ok. Oh mon Dieu, je ne veux plus retourner dans ces villages. Jusqu'à ce que je trouve la solution à ces problèmes. Parce que plus je reste dans ces sanctuaires, plus je deviens nerveuse. Je ne peux rentrer là-bas. Ma fille, une chose est certaine. Toute chose qu'ils feront, si les dieux ne l'approuvent pas, cela ne va pas arriver. Alors attendre. Très chers anciens d'Agua Tchala, vous êtes bienvenus chez moi à la maison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Premièrement, nous vous remercions pour votre accueil. Nous sommes venus pour la prêtresse. Pratiquement, ça fait 4 jours durant qu'elle ne se voit pas. 4 jours? De ces faits, nous sommes venus nous renseigner si vous savez là où elle se trouve. Qu'elle voit un peu le danger qui la guette si elle ne retourne pas aussitôt possible au sanctuaire. Où est-ce qu'elle peut être? Vous voulez dire que la prêtresse est introuvable? Non, je ne sais absolument rien à propos de ça. Je ne suis même pas au courant de ça. Je ne suis pas. Fiche de LGR Bouvet. Nous sommes surpris d'entendre ça. Venant de toi. Sachant que la France soit chez toi, es-tu désormais en France? Et là, vous avez beaucoup de pouvoir. Et voilà pourquoi l'ONU a laissé toute la responsabilité concernant Agua Tchala. Entre tes mains, alors là, nous sommes perdus. Et où irons-nous encore? Il est vraiment connu de tout ce que cette responsabilité relève de ta compétence. Mes anciens, c'est très bien. On ne va plus se plaindre pour ça, non? Je vous assure que nous allons bien résoudre ce problème, d'accord? S'il vous plaît, faites ceci pour nous. Au cas où il retourne, ce serait une bonne chose. Comme je l'ai dit, vous n'avez plus à vous inquiéter. Je vais m'assurer que ces problèmes soient résolus le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu parais très fatigué et faible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas du tout bien. Je suis tellement confuse. Oui. Écoute, tu ne peux pas être confuse. Regarde, écoute-moi, Chris. Je resterai avec toi jusqu'à la fin des temps. Oui. Dans ce cas, trouve-moi. Oui. J'ai besoin de toi. Je me sens toute seule.
Trouve-moi. Devrais-je te trouver? Oui. Oui. Prêtresse. Trouve-moi. Que veux-tu dire? Moi, je devrais te trouver. Prêtresse. Prêtresse. Ikenga, jusqu'où nous devons vivre de cette manière? Non, dis-moi jusqu'où. Chaque jour, il y a un dépassage de nombre de nos jeunes qui souffrent. Pas à manger, pas de l'eau, même ceux du village voisin qui viennent souvent nous demander. Maintenant, ils nous ridiculisent de toute façon. Ikenga, jusqu'au quand? Ikenga, regarde-toi. Regarde-toi, tu es tellement nonchalante que tu ne sais même pas comment t'y prendre. Les gens sont en train de mourir. Ils meurent. Ikenga, je ne sais plus quoi te dire. Hein? Ikenga, écoute, nous devons faire quelque chose. La mort est en train de frapper presque partout. Partout, la calamité. Vous savez, je suis vraiment déçu que vous tous, les anciens, chez moi à la maison, et parlez de cette façon. Je n'arrive plus à vous comprendre. J'ai fait de mon mieux, tout c'est de mon pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes venus parce que nous savons que tu es capable de faire quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes venus. Vous pensez que je n'ai rien fait? Écoute, je ne suis pas la prêtresse. Et si vous sentez que je ne suis capable de ne rien faire, alors allez, allez la chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes tous supposés et nous réunir. Comme ça, nous allons trouver cette situation ensemble. Au lieu de crier sur moi, comme ça. Pour quelle raison? Ikenga. Non, mais deux fois, je te rappelle que c'est toi, Ikenga. Tu ne peux pas croiser les bras. Espérer que le ciel puisse t'aider. Calmez-vous, ça sera des jours. Prêtresse, oh, prêtresse. Je t'ai trouvé, hein. Oh mon Dieu. Je suis désolé, je suis dans la brousse. Je suis revenu au sanctuaire, je t'ai trouvé. Ne parle pas de ce que tu vois. Sois le bienvenu. Ta présence m'a beaucoup manqué. Waouh. Waouh. Je te salue. Bienvenue, toi, grand-fils de Keke Amanaso, le petit-fils de Wameso, et l'arrière-petit-fils, tu m'en voulais ni. Comment est-ce que tu... Garde tes questions, parce que ce que tu ne peux pas savoir est plus grand que toi. Ma fille, Oluchi, laisse-moi aller trouver quelque chose pour notre invité. Merci. Prenez soin de vous. Je n'étais pas au sanctuaire. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis décidé de tout abandonner. Oui, je sais que c'est une décision très dangereuse. Mais je ne peux plus nier les sentiments que je porte pour toi, les émotions que j'ai. Je n'en peux plus. C'est bien, alors. C'est la meilleure décision que tu as prise. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Tu sais quoi? Viens avec moi. Viens avec moi. Viens. Viens, on va vivre notre propre vie. Viens. Viens avec moi. Viens. Donc, c'est toi qui poses toutes ces choses. Je n'ai pas peur de toi. Toi, étranger, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Laisse-la tranquille. Je vais te gérer d'une autre façon. De ma propre façon. Tu ne feras absolument rien. Cher prêtresse d'Aguachala, Iga Aguachala Jafuzu, Omalecha Aguachala Jim, s'il te plaît,
et suis-moi, s'il te plaît. Tu manques beaucoup au peuple d'Aguachenga. Ils ont besoin de toi. Viens avec moi. Non, je ne peux pas. Ikenga, je ne saurais rentrer là-bas. Je vais vivre une vie normale. Tu sais, je suis ici à cause de l'amitié que nous avons toujours partagée. Et si pas pour moi, mais à cause du peuple aguachenga. Ce peuple innocent qui meurt, s'il te plaît, allons le sauver, s'il te plaît. J'ai dit non. Tu as entendu? Non, Ikenga. Je vais aller nulle part. Si je ne veux pas me suivre là, aguachenga, il ne me restera aucun autre choix que de le tuer. Ikenga, n'essaie pas faire ça. N'ose pas les toucher. N'ose pas les toucher. Ne les touche pas. Ne les touche pas. Si tu oses, tu verras. Ikenga. Ikenga. Qu'est-ce que tu viens de faire? Maintenant, écoute-moi, écoute-moi attentivement. Je ne veux te donner que 4 jours. Juste 4 jours. Sinon, je vais te ramener sa tête sur un plateau. Tu me connais très bien. Ikenga, tu ne le feras pas. Ikenga, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le feras pas. Ikenga. Non, tu es... Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui dois-je appeler? Il sait. Moi, comment tu vas? S'il te plaît, est-ce que mon fils t'a peut-être appelé? Non! Il était venu au village me voir. Mais soudainement, il a disparu. Je dois appeler Prisca. Ok, merci. Né. Est-ce que la femme t'a appelé? Il t'a pas appelé? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il peut être? Qui dois-je encore appeler? Je me sens malade. J'en ai assez de tout ceci. J'ai l'impression de me débarrasser de tout ceci pour me rendre libre. Mais comment? Si tu n'es pas propre, les dieux seront après toi et te puniront sévèrement. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Ma fille, j'en ai marre. Ma fille, laisse que les dieux décident pour toi. Et qui a la détournée de moi? Je sens sa peine. Oui, c'est vraiment une peine. Alors tu dois partir, de peur qu'il ne le tue. Oui. Mais... Pour son bien, va et sauve-le. Oh, mon mari,
remercions Dieu que je t'ai rencontré. J'étais même en route pour venir chez toi. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils a disparu. Afamé Mfuna. Qui d'autre? Non. Afamé Mfuna peut être à l'étranger. Il peut voyager, aller voir ses amis. Non, ne faut pas dire ça. Il n'y a rien qui peut arriver à Afamé Mfuna. Il est bien pourtant. Mon fils est en danger. Il est en danger. Je peux le sentir. Est-ce que... Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? S'il te plaît, suis-moi. Au village d'Aguatolo, s'il te plaît. Aguatolo, il y a une très longue distance. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il s'agit d'un seul fils de ton frère. Non! DJ, j'ai dit non. Personne ne se préoccupe de mes sentiments. Je dois être libre. Je dois être libre de ces biens. Écoutez, les dieux ne m'adressent plus parole. Dites-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je dois être affranchi. Mais personne ne pense à moi. Rentrez à la maison et trouvez-vous une autre prêtresse. Mais le gens meurt. Pas à manger, pas de l'eau. La pleurie règne dans notre beau village Guatia. La paix nous voulons que tu fasses quelque chose. Et alors? Oh! Vous voulez donc que je reste ici, que je sois en train de résoudre vos problèmes toute ma vie pendant que personne ne pense à moi? Écoutez, rentrez à la maison. À ce niveau, sachez que j'en ai marre. Je plaide pour ma liberté. Je vais être affranchi. Je vais être libre de tous ces liens. Dike. Oh, prêtresse d'Aguachela, bienvenue chez moi à la maison. Peux-tu... Ikenga, pourquoi tu veux me causer des problèmes? Pourquoi? Je fais tout ceci à cause de lui. Il a fait les sourds d'oreilles à mes avertissements. Ikenga, laisse-les partir. Je l'aime. Tu ne pourras donc les changer. Et tu penses que moi, je ne t'aime pas? Ça m'est égal aussi. Je t'ai aimé du plus profond de mon cœur. Mais je n'ai pas pu laisser mes émotions m'emporter. Je ne l'ai pas fait. Tu pensais que je m'en fous, que je ne t'aimais pas. Alors que ce n'était pas vrai. J'étais supposé me marier avec toi, mais c'est à cause de toi que j'ai refusé ce mariage. C'est juste garder ce village en paix et non nous infliger la misère. Ce garçon était censé faire la même chose, mais il a refusé. Et tu es ici pour me mettre en garde? Ikenga, si quelque chose de mal lui est arrivé, sache que tu seras mon ennemi toute la vie. Et tu penses que ça m'inquiète? Ça m'est égal. Ikenga, tu ne m'iras pas voir mon autre face. Oh, apaise-toi. Ne sois donc pas fou jusqu'au point de me provoquer. Apaise-toi. Apaise-toi. Je suis Ikenga. Ikenga Rulada Jury. Ikenga Rulada Jury. Il est impossible pour moi de croiser les bains, voir cette bête infliger la misère à mon peuple. Et je combats pour une cause juste et je n'ai peur de rien. Vous pensez que vous allez me faire chanter comme vous l'avez fait avant? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Je suis prêt à me battre. Tu l'as empêché de m'aimer. Tu n'as donc pas à me blâmer. Qui sait ce qu'ils ont fait à mon fils? On ne combat pas la destinée. Mais toi, tu as osé. Cependant, moi, je fais du mieux pour les libérer. Seuls les anciens vont décider. Prêtresse, comment est-ce que nous pouvons le voir? Hein? Pour dire qu'on trouve une solution. La personne en question, c'est un fils de mon frère. C'est un garçon unique. S'il vous plaît, pardon. T'inquiète. Maman, calme-toi.
et rentre à la maison. Ses problèmes seront bien résolus. Oh, vraiment. S'il vous plaît, nous avons confiance en vous. Rentrez à la maison. Rentrons à la maison. Calme-toi. Elle peut nous faire faveur. Gardons silence. S'il te plaît, calme-toi. Écoute. Je te prie de ne pas beaucoup inquiéter. Il ira mieux. Calme-toi. Tout ira mieux. Comment je serai sûr qu'il va survivre dans ça? Je crois fortement à la prêtresse. Elle a dit que nous pourrions lui faire confiance et croire en elle. Alors fais-lui un peu confiance. Calme-toi. Si quelque chose arrive à mon fils, je ne pardonnerai jamais le village tout entier d'Amadja. Rien de mal ne peut lui arriver. C'est bon. C'est le fils de mon frère. Ne faut pas que tu sois de passé. Ils veulent ma vie. Oh, ils veulent ma Écoute, vie. Arrête de pleurer. Va à la maison. Mange. Relaxe-toi. Il va venir. Sois calme. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Non. Maïno Chi me l'a raconté de manière intéressante, mais je me sens toujours confuse. Elle m'a expliqué comment moi et Kinga étions connectés pour me marier. Elle a dit que nous sommes faits pour toujours être ensemble. Mais la destinée s'est décidée autrement. Et ainsi, notre pouvoir a été partagé et qu'il est le seul qui peut m'affranchir de tous ces liens. Je me sens tellement confuse. C'est ça la raison pour laquelle je suis venue vous voir pour que vous puissiez m'orienter ou me donner une idée sur comment me prendre. Qu'est-ce que c'est d'abord, Tchana? Mais tu n'as pas entendu ce que tu comprends. Elle nous dit, a raison. Elle a raison. Oui. Et qui est là est la seule personne qui m'a demandé de tout ceci. C'est soit lui, soit personne. Non, merci. Merci, j'ai bien compris. Regarde, je ne voudrais pas que tu sois confuse. Essaye un peu de te calmer. Ne t'inquiète surtout pas. Tout se passera très bien. Et surtout, ne prends aucune de telles sorte que tu ne te plains. Merci, Maï. Ne t'inquiète plus, comme je t'ai dit. Merci, Maï. Mais retiens que Ikenga est la seule personne qui pourra me libérer de tout ceci. Merci, Naï. Que le Dieu soit avec toi. Avec toi également. Regardez son état. Regardez son état, s'il vous plaît, aidez-moi. Calme-toi, alors, écoutons-moi. Madame. Monsieur. Ça, c'est la première fois. Le peuple d'Ouattara traverse cette étape de misère. La pauvreté, la pénurie d'eau, rien à manger, la mort. Quand je dis ceci, c'est parce que beaucoup de gens sont morts à cause de cette situation. Il était venu dans les sanctuaires des prêtresses. Il était averti plusieurs fois, mais il a persisté. Donc, laisse-lui rencontrer les conséquences de ce qu'il a fait. Voilà ce que je peux dire. Je veux savoir. Ce jeune homme ici présent est l'unique fils de mon défunt frère. Et le peuple d'Abouachala a toujours été respecté à cause de sa coutume, de son hospitalité et de sa paix. Et pour l'amour de cette femme ici présente, s'il te plaît, essaie de me faire grâce. Madame, messieurs, à cause de vous, nous pouvons le pardonner à une seule condition. La seule et unique condition. Et quoi que la condition soit, c'est pour ça que nous sommes ici. Ok. Il va jurer avec le sceptre de Ndiche qu'à n'importe quel moment de sa vie, ses pieds piétineront la terre de Ouattara. Il sera frappé de la mort par Oumuma Enigwe. Hein? S'il te plaît, si quelque chose t'arrive, je vais mourir. C'est mon silence. Tu vois ça?
il finira par mourir. Ikenga, c'est comme je l'ai dit. Je suis désolée de la manière avec laquelle je t'ai parlé dernièrement. Je m'étais laissée emporter, crois-moi, je m'étais laissée emporter. Mon meilleur ami, s'il te plaît. Cher prêtresse d'Aguache, Adjala Abola Jalstou, ce que je cherche à faire, c'est pour l'intérêt de mon village. Rien de plus. Ikenga, je sais comment tu te sens par rapport à ma décision. Mais tu es mon meilleur ami, mon ami de l'enfance. Je m'attends à ce que tu me comprennes, s'il te plaît. S'il te plaît, Ikenga, même si j'ai repris ma fonction de prêtresse de Ouachala, les choses vont aller de mal en pire. Et Ikenga, la déesse ne m'adresse plus parole. En quoi serais-je encore utile au sanctuaire, Ikenga? S'il te plaît, comprends-moi. Biko. Est-ce que tu connais les conséquences qui en découlent de ta décision? Non, 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 non. On ne peut pas accepter ça. Les choses iront de mal en pire. Si on se met à accepter ça, les choses continueront à s'empirer si elle restait la prêtresse d'Aguachala. Bien sûr. Elle n'a plus aucun intérêt de rester la prêtresse. Donc nous ne pouvons pas la forcer à être là. D'ailleurs, Aguachala n'arrive plus à lui parler. Donc il n'a aucune utilité d'être là. Tu veux dire que Aguachala ne lui parle pas du tout? Si je peux demander, si elle se retire d'être la prêtresse de Aguachala, où est-ce que nous arriverons? Ou laissez la déesse décider. Laissons la déesse décider. Parce qu'on ne peut pas les laisser commettre de l'impunité comme ça. Et notre peuple va mourir. Non. Et telle est ma suggestion, voir ma décision. Ije, oya te kwe kwa mume. Njane me kwe me. Na kwa shala oya te kwe kwa koko. Arue me lanu. Ewu. Oya te kwe kwa mume. Agwa no bodo, agwa shala. Na kwa shala oya te kwe kwa koko. Iyo, iyo. Ije. Qui es-tu? Qui es-tu? Montre-toi. Je t'ordonne de montrer ton visage. Cela signifie prépare-toi. Demain, nous aurons rendez-vous avec Aguachala ainsi que les anciens. Et c'est là que l'esprit de la grande prêtresse te sera ôté. Nous allons procéder au rituel. Tu seras libre. Ikenga, merci, merci, merci d'être toujours là pour moi. J'apprécie tes efforts. Alors prépare-toi. Il faudra que j'apporte 4 vaches, 4 mangola et une poule blanche, ainsi qu'une chèvre. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais me rassurer d'apporter tout ce qu'ils m'ont demandé. Merci. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Oui. Oh,
Mbara agwa chala. Ese nwanyi agwa chala. Aye kenego. Et c'est moi, Guachala. Ta fille est ici. Et s'il te plaît, je te supplie pour sa part. Ouvre tes oreilles, écoute ce qu'elle a à dire. Je te salue une fois de plus, et c'est moi, Guachala. Tu peux parler. Agwachala nne. Achalu bu nwanyi. N'ọmụ obi ọma. Dile nwanyi. Je te salue. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis désolée pour ma décision. Je vous prie de me pardonner. Je ne vous rejette pas. Je continue de croire en vous. Tout ce que je veux, c'est pour vous aussi. Je vais vivre une vie normale comme toutes les jeunes filles. Je vais me marier et avoir mes propres enfants. S'il te plaît, pardonne-moi. Aie pitié de moi et délivre-moi. Affranchis-moi pour toujours. Et Kenego. Tu peux jeter ces graines l'une après l'autre. Tu peux t'allonger. Come on, we can get it. Can go without that. Anyway. My uncle, now don't mad now, but I know when you talk to Obu. No, Liano, I tell you. Anyone would be what I'm couple. You couldn't marry Quaka. Oka Gunilam Naka. I knew Nalem knows. Ese moña guachala. 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 Ise. Ese moña guachala. Ese moña guachala. Is it one? A Canadian? That's another mother of one. When you told me, I'm clean click on a clue to the major of the news. But I don't know, we see a boogity boogity. Ogidi adia man is nisha de boogity boogity ogidi anyo fe yo no. Oh, fuck you, deja one. I'm a little nanjo for jidogu. Manage more fuck, no jumpolo. It was a quick ordinary quick way to kill me. You can even be a kinegin way. Kinegina. Kinegina.
tu paies ta logique. Akwai dinye na mozi asimu je. Aya kamne. Ezen wani agwa chala. Agwa chala kiri. Ezen wani agwa chala. Ezen wani agwa chala. Ezen wani agwa chala. C'est fait! Tu es libéré de la déité. Tu peux t'élever. Et ton temps est arrivé. Et maintenant, tu es libre de vivre ta vie normale, comme toute femme. Tu es maintenant libre. Il n'y a plus de lien entre un humain et un esprit. Merci, Ikenga. Merci à vous, les anciens. Laisse-moi t'apporter un truc à manger et après je t'accompagnerai à l'hôpital. Oh yeah, vas-y, mange, oh yeah. Vas-y, mange. Oh, excuse-moi. N'est-ce pas, c'est toi la prêtresse? Maman, elle était la prêtresse, elle était, elle n'est plus, hein? Chérie, s'il te plaît, une jambe. Une jambe. Et c'est de l'union traité à l'île de Palo. Et ça ne l'est pas. Non. Je ne saurais les manger. Je n'ai jamais mangé une promesse depuis mon enfance, si ce n'est de l'union traité avec l'île de Palo. Et étant prêtresse, nous ne sommes pas permis de manger n'importe quoi.
Je mourrai. Je sais que je suis libre, mais j'ai quand même un petit peu peur. Écoute-moi. Tu as été dissocié de cette affaire. Tu es un homme libre. Est-ce que tu comprends ça? Et tu peux manger tout ce que tu veux manger. Et si tu veux comprendre, c'est ça. Et s'il te plaît. Tu vas aimer. Regarde ça. Regarde. C'est très, très bien. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est? Maman. C'est la perle, maman. Maman, je sais comment ça la perle. Maman, je suis approchée. Maman, Mais, s'il te plaît. Alors, qui a pris ta place? L'une des jeunes filles de Aguachala était choisie pour me remplacer. Je suis donc affranchie. Je peux me marier et avoir mes propres enfants. Es-tu sûre? Oui. Maman, s'il te plaît, je sais que je vous ai causé beaucoup de tort, toi et ton fils. Je te prie de me pardonner. Je suis désolée. Crois-moi. Aie pitié. Maman, s'il te plaît. Libre, s'il te plaît. Maman, je t'en supplie, maman. Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie, maman. Les voilà venus. Ah, les anciens de Bachelet, désolé de leur faire attendre ici. Et quel gars, le fils de Zaboubé, est-ce que Azan Bachelet a parlé? Bien sûr, il y a un message pour vous. Bien, Aguachala a choisi Tchibouyou, la fille d'un Tchibouana qui a réussi à sanctuaire. Comme la prochaine perfesse d'Aguachala. C'est maintenant que tu as bien parlé. Alors nous devons voir Iyumo rapidement pour lui faire savoir. Bien sûr. Bien sûr. Parce que plus nous retardons, plus viendra le danger. Donc nous pouvons partir. Ok, allons-y. On est vraiment chanceux. C'est une bonne chance pour moi. Mes salutations, Ikenga, le petit-fils de Egoïde. Vous m'avez fait venir. Bonjour. Oui, exactement, je t'ai cherché. Prends place. Bien. Tu sais, quand quelqu'un répond à la peine d'Isolati, il y a un grand soleil brillant qui s'étient sur le firmament. Tu as le pouvoir de contrôler l'univers. Et je te demande, Chibundu, la fille de Chibundu, et qu'est-ce qu'il en sera si je t'annonçais que les dieux t'ont choisi pour la prochaine prêtresse d'Aguacha? Je suis vraiment honorée. Du plus profond de mon cœur, je veux servir le grand Aguachala. Je suis très heureux d'entendre ceci. J'aurais voulu que tu aies à la maison, que tu y réfléchisses pour moi.
revenir ici après 4 jours afin que tu t'affirmes. Grand Ikenga, il y a ni le besoin d'y penser. Si seulement les dieux m'ont choisi comme la prochaine prêtresse, qui suis-je pour dire non? Mon corps et mon âme sont prêts à servir la grande Aguachala. Oui, je suis très heureux, je suis très satisfait d'entendre ceci pour toi. C'est très bien. Je dois retourner au sanctuaire. Très bien. Ah bon? Ikenga. Ah, s'il te plaît, après la nourriture, j'ai très faim. D'accord, Ikenga. Laissez-moi, Yagwachara. Il est temps. Il est temps que tu fasses ce que tu m'as envoyé de faire. Tu as encore gagné, tu as encore gagné, tu as encore gagné. Tu as encore gagné. Regarde par terre. Si tu es vraiment celle qu'il a choisie, et par la grande, et c'est Wanya Guachala, tu vas vraiment voir cette crâne qui est cachée par l'esprit. Comme ça, tu iras prendre ça. Ok, Diawan. Toi, c'est plus fort de me préférer du Kenya ici. Jette la ligne. Eke. Oye. Afo. Nkwa. Il est maintenant temps de te consacrer comme prêtresse. Maintenant que tu as accepté cet appel venant de la grande Ezemoanya Guachala, il y a des choses qui doivent être faites qui n'ont pas encore été faites. Alors il est temps pour toi de prêter serment que tu vas servir Ezemoanya Guachala jusqu'à la fin. Et comme ça, ton sort sera scellé. Ezemoanya Guachala, je promets de te servir jusqu'à ma mort. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Par les pouvoirs qui m'a été conféré en tant qu'Inkenga par Aguachala, je vais par la présente te faire porter cette couronne. Et c'est... Enfin, qui déjà ou un. Je vais par la présence te passer l'étendard de la divinité de la prêtresse de Guachala. Ça a été fait.
Longue vie et prêtresse d'Aguachala. C'est... Longue vie et prêtresse d'Aguachala. C'est... Kwanu! 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 Et je vais vous dire merci. Merci beaucoup pour m'avoir accepté comme votre belle-fille. Et je suis très honorée. Je crois que c'est la meilleure des décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie. Merci énormément, maman. Et je te promets que je ne vais pas te laisser voir. Je te rendrai fière. Je vais bien prendre soin de ton fils. Que pourrais-je dire de plus? Je voudrais juste vous dire merci à vous. Vous savez, non, ce n'est jamais facile de faire tout ceci. Hein? Mais nous y sommes vraiment pas. Merci. Merci beaucoup.